Yo les gars, ça dit quoi le chat? Yo les frérots, yo tous ceux qui sont sur la rediff, j'espère que vous allez bien. Tu connais la routine les gars, ça dit quoi? Pouce bleu, on s'abonne, tout ça, tout ça. Oh, tu connais, normalement tu connais. Ça dit quoi les VG? Aujourd'hui, petit live Just Chatting. Enfin, je sais pas exactement, on va voir. En vrai, j'ai rien de prévu, j'ai mis Just Chatting. Comme ça, si vous voulez parler, on parle. Si vous voulez faire autre chose, on fait autre chose. Yo, Sandrine, yo, Elissa, Noémie, Corentin, Anton, Arnald, Remka, Elsa, yo, Lucas, yo, Arthur, yo, le chat. Comment ça va, les gars? Ça dit quoi, les premiers, là? Les premiers? Ça dit quoi, les gars? Tous ceux qui sont là, là? Vous êtes les boss, vous? Vous êtes les boss, vous avez tout capté, vous êtes là dès le début, vous avez mis la cloche, c'est la notif, les gars, c'est la notif ou pas? Le chat, est-ce que c'est la notif ou juste vous êtes trop chaud? Ça dit quoi les frérots? Yo, les gars, un maximum de pouces bleus, c'est parti, on commence live en mode Just Chatting. Ça dit quoi les gars, vous avez passé une bonne journée ou quoi aujourd'hui? Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Dites-moi un petit peu là, votre journée. La notif, bien sûr, c'est la notif. Oui, la notif, elle carie, ça fait plaisir. Ça veut dire que t'as vu la notif et que t'étais content. Ça veut dire que tu te faisais chier, t'as vu la notif et t'étais content. Et ça, c'est beau. Merci Paul pour tes 1€. Merci beaucoup, mon petit Paul. Wesh, le BG, la cloche. Snapchat Red, ça va ou quoi? Tranquille. Ça t'a fait aïe. Ça va, c'est bien passé, bonne journée. Douka, merci pour tes 5€. Merci Duvois pour ton sub. La notif mon miche. Y'a pas Elsa, non y'a pas Elsa aujourd'hui les gars. Non mais Elsa, Elsa sera pas là tous les jours hein, les potos. Je vous préviens. Ça va? Et vous, comment ça va le chat? Les gars, là en mode, je sais pas, vous voulez qu'on live quoi, etc. J'ai lancé le live avec comme titre Just Chatting. Je sais pas, si vous voulez parler de, je sais pas frère, on peut parler d'un sujet, de tout et n'importe quoi. Si vous avez des questions, je sais pas, peut-être vous voulez que je joue sur un jeu, si vous voulez qu'on réagisse à des vidéos, je n'en ai aucune idée, c'est vous qui décidez. Gaëtan, merci pour tes 5€, merci Mia, Ismaël, Mounier, merci pour tes 2€. C'est dit 20€, merci infiniment. Yo, comment va Yuki? Elle va très bien. Frère Yuki, elle se porte plutôt bien. It's Evan, ça fait 2€. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ramené dans un de mes lives, Yuki. Mais les gars, je vous ai dit dimanche vidéo avec Yuki. Dimanche vidéo avec Yuki, je pense que vous allez kiffer. Vous allez kiffer, j'ai hâte de voir la vidéo. Fait du 60 secondes, non, les gars, c'est pour ça que j'ai dit live Just Chatting. C'est que, en vrai, de vrai, j'aurais kiffé faire un petit live sur 60 secondes encore, tu vois, mais... Frère, en ce moment, on joue qu'à 60 secondes. Venez, on fait autre chose. Tom, merci pour tes 2€. Merci, Michou, pour ta bonne humeur. Mais les gars, c'est vous. Hello, One, merci pour tes 2€ encore. Merci, frérot. Fais du Clash Royale. Théo, merci, mon gars. Sinon, team de type, bien vu, BG. Clash Royale, tier list. Vous voulez qu'on fasse des tier list? En vrai, je suis chaud, mais vous voulez faire quoi dans le tier list? Among Us avec des inconnus, non, en vrai avec des inconnus c'est moins bien. Adibou, merci pour tes 5€, à l'affût de la notif mon jeune, ça fait plaisir, merci Eloan pour tes 2€. Aïe, la team notif. Rusty, merci pour tes 2€. Putain mais attendez les gars, il y a beaucoup de dons là. Wesh, calmez-vous, Ismaël, merci mon gars. Jeu d'horreur, ah, moi jeu d'horreur je suis chaud hein. Tier list fast food, non mais j'ai déjà fait tier list fast food. Bah ça date un peu tu vois mais bon. Tier list trappeur, tier list boisson, Pokémon. Là, j'ai pas de booster Pokémon, les gars. Là, je vous dis la vérité, j'ai pas de booster Pokémon sous la main. À la limite, j'ai des boosters Clash Royale. Stéphanie, merci pour tes 10€. Joue à Five Nights at Freddy's. Réagis à la vidéo de Squeezie. Je l'ai déjà vu, la vidéo de Squeezie. Elle est incroyable, en vrai. Hein. Et vous avez vu la vidéo que Squeezie l'a sortie, là? Elle est incroyable. Le Où est Charlie, en vrai. Maxence, merci pour tes 1€. Trasio, merci pour tes 5€. Clash of Clans. Non, Clash of Clans, c'est stylé, mais pas en live. C'est chelou de jouer à Clash of Clans en live. Mister Marvel, bienvenue, mon frérot. La suite de Little Hope, t'avais promis. Mais Little Hope, on l'a fini. Attendez, parce qu'après, j'avoue, il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir.
en mode bah c'est pas la suite de Little Hope, mais c'est les mêmes créateurs. Attendez, attendez, attendez. Je vais regarder sur Google. Little Hope. Little Hope, c'est The Dark Picture Anthology. C'est quoi leur prochain jeu? Normalement, ils vont sortir bientôt un nouveau jeu. The Devil in Me. Trailer d'annonce. The Devil in Me. Peggy 18. Oh là là. Ça sort quand ça? Mec, eux ils font des jeux, ils font trop flipper hein. You wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful, that's what you have to be. An artist. Have you? Oh, je sens que j'ai bien aimé. Et ça sort quand? Saison 1, épisode final. Ah mais c'est un jeu qui est déjà sorti? Comment ça saison 1, épisode final? Ça veut dire quoi frère? Comment ça y a pas de date? Sera prochainement disponible sur PS4 et PS5. Si ça se trouve il est déjà sorti hein. Attends frère. The Devil in Me sorti. Il sort quand? 2022. Nous pouvons espérer qu'il sera disponible avant la fin 2022. Ah ok. Il y a House of Ashes. Ça là? C'est sorti quand? En 2021. Ah mais j'ai raté un jeu en fait. Vous avez une idée de business que vous souhaitez développer? J'ai raté un jeu en fait. House of Ashes. Il y a 6 mois. Mais non gros, j'ai raté le jeu. Parce que ouais, Man of Me... Non attends, c'était quoi? Little Hope, ça date. Little Hope maintenant ça fait plus d'un an. Bah, j'ai raté le jeu, poteau. la suite là que je voulais jouer, ce jeu d'horreur, je voulais le faire. Bah, je l'ai raté. Je l'ai carrément raté. Et par contre, j'ai un problème sur tous mes lives, les gars. À chaque fois, il y a un bruit de retour Windows. Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Ça me rend ouf. Je vous jure, ça me rend ouf. La miniature, qu'est-ce qu'elle a la miniature? Elle est bien en vrai. La miniature, elle est classique, tranquille. Elle est bien. Test GTA RP. Mais je sais pas jouer à GTA RP. Comment je peux tester? Non mais là je peux pas tester la GTA RP maintenant. Attendez, en vrai j'ai GTA sur mon PC. Est-ce qu'avec GTA je peux jouer à GTA RP? Tu es absent 15 jours. Ouais les gars, je vais pas être là pendant 15 jours. C'est pour ça là en fait j'avais pas sur quoi live. Et d'habitude tu vois quand je sais pas quoi live et tout, je me dis bon bah tant pis, je live pas ce soir, je liverai plus tard quand je serai décidé à jouer sur un jeu. Sauf que poteau, là je suis pas là pendant 15 jours à partir de samedi. Les gars, samedi j'essaierai de faire un live. Je suis même pas sûr de pouvoir live samedi. Mais samedi je vais essayer de faire un live. Et dans tous les cas sachez que ça sera mon dernier live avant 15 jours. Si ça se trouve c'est lui hein, si ça se trouve les gars on se rend pas compte, mais si ça se trouve c'est lui mon dernier live si je peux pas live samedi. Parce que demain je live pas, et soit samedi je live, soit aujourd'hui c'est mon dernier live avant 15-20 jours. Donc t'as vu ça fait chier, là j'étais là je savais pas quoi live, mais j'avais envie de live parce qu'après je serais plus là. Pimbagnard, merci pour tes 20€. La suite de Pokémon Arceus on l'aura jamais non? Vous l'aurez jamais. Désolé poteau. Lulu, merci pour tes 5€, merci Leïla. Axel, merci pour tes 10€. Tu peux jouer à Halo Nightbourg, s'il te plaît. Halo Nightbourg, apparemment, ça a l'air d'être un bête de jeu. Vous voulez qu'on teste? Il faut que tu installes 5M. Ah, pour GTRP? Oui.
C'est grave connu, test. Merci, Rocco. Non, mais j'étais RP, on peut pas parce que c'est trop galère. Attends, je vais regarder parce que Hello Nightbourg, c'est faut l'acheter sur Steam, non? Je crois qu'il coûte cher en plus ce jeu. Vitro céramique, merci pour tes 5€. Pour GTRP, il faut 5M et après on peut expliquer ou un modo d'un serveur peut t'expliquer. Eh, le bruit du retour Windows, il me rend ouf. Y'a pas quelqu'un ici d'où ça vient? Le chat, vous êtes trop fort dans le chat. Je sais que dans le chat, y'a des techniciens, y'a tout dans le chat. Il vient d'où ce bruit de merde? C'est quelque chose qui se déco ou reco clé USB. C'est la souris. Vous pensez que c'est la souris? Mais attends. Tu sais quoi, déjà je vais débrancher ça. Ok. Ça je... Oh, oh attendez les gars, est-ce que vous voulez que je vous montre un truc de fou? Est-ce que vous voulez que je vous montre un truc de fou? Les gars, je vais vous montrer un truc de fou. J'ai les rushs de la vidéo 24 heures avec Elsa. J'ai mis les rushs de la vidéo 24 heures avec Elsa. Est-ce que je vous montre ou non? J'ai les rushs d'un moment, il est légendaire. Ah mais non, c'est sur mon PC de stream. C'est pas sur mon PC de jeu, je peux pas vous montrer. Oh, je vous ai hype pour rien. Je peux pas vous montrer en fait. Ah, mais c'est de la merde d'avoir double PC. Enfin, en vrai, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient trop avoir deux PC, t'as vu. Mais c'est relou. En vrai, c'est mieux d'avoir un gros PC que deux PC. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On m'a toujours dit double PC, c'est mieux pour stream. Mais vas-y, frère, ça, c'est trop de galère. C'est trop. Je peux pas en fait. Parce que les rushs, ils sont sur le PC sur lequel je live. Alors que le PC là. C'est un autre PC et du coup le PC sur lequel je live je peux pas vous montrer. Ah fait chier, je pourrais pas vous montrer les rushs. Problème de riche de fou. Câble pas bien branché. Ouais bon en tout cas pour l'instant ça fait plus le bruit. Attendez je vais regarder sur Steam. Ça en est où pour Enfin est-ce qu'on peut avoir Hello Nightbourg. En vrai, je suis chaud à découvrir Hello Nightbourg. Hein. Ça se trouve, c'est une dinguerie. Hein. J'ai 12 heures de jeu sur 60 secondes. Je suis mort. 60 secondes, j'ai 12 heures de jeu. Après, j'avoue, il y a 60 parsecs. C'est sur Steam, 60 parsecs ou pas? Venez, on regarde les jeux auxquels on peut jouer, là. 60 parsecs. Ah ouais, c'est sur Steam. 60 par seconde, c'est quoi? Ah, c'est les deux jeux en un? L'inséparable duo. Incroyable. C'est les deux jeux en un. Bon bah du coup ça sert à rien puisque j'ai déjà 60 secondes. 60 par sec. Mais 60 par sec, on va pas y jouer maintenant. On y jouera les gars. On y jouera mais pas aujourd'hui. Et le bruit de Windows, il me rend ouf hein. Hein, mais ça a l'air grave dit. Ah, mais ça, c'est quand on récupère les trucs. Ok, d'accord. Ouais, en vrai, ça a l'air un peu différent, mais en vrai, ça reste dans le même délire. Ça a l'air d'être une dinguerie. Hein. Ce jeu, on y jouera, mais du coup, on y jouera à mon retour des 15 jours. Parce que là, le problème, c'est que si on joue maintenant, on va se hype, alors qu'après, j'y jouerai plus. Donc, ça sert à rien. Hello Nightbourg. Il y a le 2 qui est sorti. Secret Nightbourg. Bah attends, mais il y a combien de jeux, frère? C'est une dinguerie. Il y a 1000 jeux. Il y a 1000 jeux. Hello Nightbourg. Le 1 ou le 2, vous voulez que je teste lequel? Oh, en vrai, ça a l'air d'être un jeu stressant de fou. Attends, mais c'est quoi le but du jeu? Hello Nightbourg est un jeu d'horreur? Ah, c'est un jeu d'horreur? Ah bon? En mode furtif consistant à pénétrer en cachette dans la maison du voisin pour découvrir ce qu'il s'y cache dans son sous-sol. Jouer contre une IA avancée qui apprend de chacun de vos mouvements. Mais what the fuck? Passer à travers les fenêtres, déjouer les pièges à ours. Joue au 1.
Et ça a l'air de faire flipper comment le voisin il se déplace. J'achète le 1, les gars. Ah non, le 2 il va sortir, il est pas encore sorti. Attends, jure, il est pas encore sorti. Il sort quand? Hello Neighbor 2. C'est quand la sortie? Sortie. Il est sorti, si le 2 est sorti. Bah, cette version finale dévoile sa date de sortie fixée au 6 décembre 2022. Vous êtes sûr qu'il est sorti? Ah! Hello Neighbor 2 sortir le 7 avril 2022. Ah ouais, il est sorti! Ah, mais c'est pour ça que vous me parlez de ce jeu, parce que le 2 il vient de sortir. Donc je prends le 1 ou le 2? Le 1 ou le 2? Achète le 1, on s'en fout. 1-1-1. Le 1? Oh, vas-y. Vas-y, je prends le 1, les gars. Ok. Acheter Hello Neighbor Secret. Acheter Hello Secret Neighbor. Hello Neighbor Collector Edition. Bon, je vais acheter le normal, frérot. Faut pas. Ça y est, faut pas déconner. J'achète le normal ou le Hello Secret? J'ai quand même un peu envie d'acheter le Hello Secret. C'est incroyable, tu vas voir. Bon, on va tester, hein. On va bien voir, hein. Neko, merci pour tes 10 euros. Merci mon gars, merci Diabolo, Mehdi, Réjean. Merci les gars, tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent. Bienvenue les frérots. Achète le normal, ouais, ok, on est d'accord, on n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. Achetez, ajoutez au panier. Achetez pour moi. Magnifique, j'accepte. Achetez. Je pense que ça va me demander une validation. Namso, merci pour tes 10 euros. Tu vas breaker à chaque bruit de Windows dans le jeu d'horreur. Oh, j'avoue, frère. C'est horrible les bruits de Windows quand tu joues à un jeu d'horreur. Ah bah c'est bon, c'est acheté. Putain. Abusé frère, j'ai même pas eu de validation, c'est trop facile. Trop facile d'acheter des trucs. Hop, ok. C'est en train d'installer les gars. C'est en train d'installer. On va tester. Mais donc apparemment c'est un jeu d'horreur. Mais frère, je pensais pas. Non mais en vrai, à quel moment ça fait flipper? En vrai ça fait pas flipper. Théma, je vois pas comment ça peut faire flipper. En vrai, il a une tête, ça va. Bon, il a l'air un peu vénère avec sa pelle. Mais t'as vu, je vois ça dans la vraie vie. J'ai peur, tu vois. Mais c'est pas un jeu d'horreur. C'est stressant. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un jeu stressant. C'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu stressant. Ok. En vrai, j'aime bien. Ok, c'est installé. C'est parti jouer. Les gars, on va tester, hein. On va tester. Bon, du coup, je vais changer le titre, non? Je découvre Hello Neighbor. Je sais pas si je l'ai bien écrit, les gars. Comment ça s'écrit? Neighbor. Askip, ça fait flipper. Voilà, j'ai changé le titre. Ça date, la nostalgie. Ah ouais, la nostalgie. Putain, ce point-là. Bah après, j'avoue, si le 2 est sorti, c'est que ça doit dater un peu. Ok, et ben... Vas-y, frère, appuyez sur hop pour continuer. Sélectionnez la... Charger. Mais j'ai jamais joué. Nouvelle partie, on est d'accord. Les gars, nouvelle partie. Ça date la nostalgie. Ah ouais? Vas-y, on va le tester, hein. Axel, merci pour tes 2 euros. Merci Vitro Céramique. Lusky, merci pour tes 2 euros, mon pote. Il y a toute une histoire sur ce jeu. Ok. Nouvelle partie. Voulez-vous démarrer une nouvelle partie? Oui, c'est parti, mon pote. Je sais même pas comment on va jouer. Acte 1. Oh, il y a l'air d'avoir une petite animation. Attends, je mets le son à fond. Vous entendez assez fort le son du jeu ou pas? Faut que ça fasse peur. C'est moi lui? Oh. Oh, c'est moi. Ok. Comment j'avance? Oh, attends, c'est pas les bonnes touches. Attends, 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 attends. Paramètres. Contrôle. Sensibilité du regard. Déjà, on va monter un peu. Inverser l'axe Y. Non. Changer les touches.
Ramasser eux. Mais attends, en fait, c'est chiant. Pourquoi avancer, c'est W? Je veux que ce soit Z. On peut pas changer. Je peux pas changer la touche pour avancer. Alt plus Shift. Attends, quoi? Bah non. Alt Mage. Ah ouais. Ah non, bah non, je dis n'importe quoi là. Windows plus espace. Prends la manette. Ah, ça joue à la manette normalement. Attends, bah j'ai une manette en vrai. J'ai une manette. Je vais tester avec la manette, hein. On va bien voir. Hop. Ça a pas l'air de bien marcher, poteau, hein. Ça marche pas du tout, les gars. Change de clavier, mets-le en anglais. Alt gauche plus shift gauche. Bah c'est ce que j'ai fait. Ça joue que au clavier. Mais putain, mais attends, mais c'est relou. Paramètres. Pourquoi je peux pas... Oh, c'est quoi ça? Ok, français. Le voisin. Mode gentil désactivé. Cela vous permettra de rendre le voisin moins agressif et sera bien plus lent. Et avec les... Non, on s'en fout. Mixer, on s'en fout. Graphisme, c'est cool. Mais attends, mais c'est chiant. Il faut sélectionner. Sinon, en vrai, je peux jouer comme ça, mais bon, c'est un peu relou. C'est... Ah, elle est où, ma balle? Eh, ma balle, elle a disparu, frère. Mais comment ça, c'est un jeu d'horreur? Mais à quel moment le jeu, il est censé faire peur, là? C'est trop cool. Ponte, attends, j'ai fait de la merde. Ma sensibilité, elle est trop haute. Sensibilité, faut que je la baisse, en fait. Ouais, voilà, là, c'est bien. Il y avait... Oh! Ma balle! Pourquoi il a un poil au menton comme ça, là? Attends, mais il se passe... Attends, mais il se passe des dingueries! Pourquoi je me mêle de ce qui me regarde pas déjà? Déjà, pourquoi je me mêle de ce qui me regarde pas? Ça me regarde pas, je vois pas pourquoi je vais chez le voisin. Oh merde. Oh. Monte le son. Oh merde, merde. Attends, je me suis fait choper là? Il a posé la clé. Il a posé la clé à l'étage. Attends, mais il a posé la clé où là? Oh putain de merde. Vous avez raison, finalement ça fait peut-être un peu peur. Attendez, il faut que je monte le son. Comment je vais faire? Je crois que c'est ici. Je crois que c'est comme ça. Non, ou alors c'est comme ça. Attendez. Ah non, ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est où les gars? Attendez, je vais monter le son. Normalement là ça devrait être bon. Là j'ai augmenté un peu le son. Bon là vous entendez rien parce qu'il n'y a pas de bruit. Mais là normalement j'ai monté un peu le son là. Ça
Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Mets les LED en rouge. Ah, j'avoue, j'avoue. Par contre, les gars, je suis une quiche, hein. Attends. On passe en mode horreur. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien ce qui se prépare. J'aime bien ce qui se trame. Par contre, les gars, sachez que je suis une quiche, hein. Je sais absolument pas jouer. Drox, merci pour tes 10 euros. Ok, donc le voisin, il a fait une dinguerie. Poto, j'ai pas compris. Il a enfermé quelqu'un dans son sous-sol qui criait comme une chèvre. Attends. Donc apparemment, faut pas se faire surprendre. Je peux rentrer chez lui? Attends, mais c'est trop risqué, non? Si je rentre comme ça, je suis cramé. Oh, oh merde. Est-ce qu'il faut que je referme la porte? Il est aux toilettes. Oh. Oh, je me suis caché dans le placard. Oh, je me suis caché dans le placard, c'est incroyable. Putain, merde, faut une clé. Eh les gars, je crois que je suis absolument pas discret. Hein. Attends, mais je rêve où il y a des... Mais sa maison, elle est en bordel. Oh, oh, faut ranger là, poteau. C'est quoi ce voisin dégueulasse que j'ai là? Mec, sa décoration, elle fait flipper. Hein. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi il se passe ça, les gars? Il se passe quoi là? Oh! Oh putain! Merde, je suis dans ces chiottes! Mais merde! J'ai allumé la lumière, d'accord, super. Mais attendez, mais comment on va à l'étage? Je peux faire caca ou pas? Oh, on voit mes chaussures. Attends, je chie un petit coup. Hop. Voilà, je chie chez le voisin. Poteau, je respecte rien. J'ai bouché ses chiottes. Oh. Merde, j'ai laissé la porte ouverte. Faut pas qu'il te voie. Il te faut une clé. Je dois trouver une clé, là? Ok, c'est plus flippant que je pensais. Même moi, mais même moi. Même moi, je pensais pas que ça allait être aussi flippant. Ah! Attends, ça fait flipper en fait. La clé rouge. Elle est où la clé? Attends, mais il est en train de regarder la télé, l'autre. Mais il est en train de se taper des barres devant la télé. Va à l'étage. Mais comment on va à l'étage? Oh putain. Il retourne chier là. Oh. Attends, il m'a vu là. Oh la chatte. Attends, il est parti chier. Ouvre-toi. Il est parti chier, faut que j'en prouve. Mais par contre, on est d'accord, je fais 1m10 là. Mec, c'est abusé, gros. Je suis à peine à la serre des... Il a tiré de la chasse. Merde, il arrive. Oh, il était juste derrière moi. Attends, j'ai trop peur. Ludovic, merci pour tes 1 euro, mon gars. Merci, Thomas. Drox. C'est bon, il est parti. Il est où, là? C'est tout? Oh mais ça fait pas peur. Ça va, mais j'ai cru qu'il allait avoir un screamer et tout en fait. Ah mais ça va. La situation de merde. J'ai pas réussi à me planquer dans le placard. Bon ça va en vrai. En vrai ça va. J'ai trop peur. Ouais, j'ai eu peur mais en vrai ça va, tranquille.
Fais gaffe, c'est un PNJ intelligent. Comment ça, c'est un PNJ intelligent? Mais c'est pas, moi je suis plus intelligent que lui. Hein. MDR, j'ai eu peur pour rien. Mais non, mais on est d'accord. Tu vas voir le ça va. Frère, ça fait pas du tout flipper en vrai. Il m'a juste attrapé par le... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un bruit comme ça? Ah mais il est là. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout dans son jardin, lui? Hop, attends, je suis en train de cliquer. C'est quoi ça? Comment on monte? C'est pour monter? C'est quoi ça? Oh! J'ai coupé son électricité! Oh! Je suis un génie. Merde! Je m'accroupis. Il va pas me voir là. Attends, j'ai une batte. Oh, je suis caché sous le lit. Oh, je suis un génie. Je suis sous le lit. Merde. Mais attends, il est où? Mais ça fait trop peur. Merci Drox. Mais à quoi il joue? Et il se passe des dingueries ici, hein. Sa maison, elle est hantée. Tu savais pas qu'on pouvait aller sur le lit? Mais les gars, je sais pas jouer, je connais rien, moi. Va dans son frigo. Ah! Oh, le bâtard, il m'a chopé. What? Attends, mais il m'a mis où là? Mais c'est quoi ce jeu? Hey. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi j'entends des bruits autour de moi encore? Mais ah! Mais c'est quoi ce jeu de fou? Ah! Il fait quoi là? Oh, il a fait un accident de voiture. Il est en train de pleurer. Je vais aller le réconforter, les gars. Je vais aller le réconforter. Comment je le réconforte? Ça va aller, mon pote. C'est son passé. Ah, il a fait un accident de voiture. En fait, c'est un voisin, il est triste. En fait, il est triste, mon voisin. Il est triste. Je dois aller le réconforter, les gars. Je dois le réconforter, le pauvre. Il va pas bien. Mais comment? Ah, attends, c'est ici pour monter à l'étage. Putain, mais comment je fais? Faut que j'enlève le boulon. Je peux aller ici? C'est son sous-sol. Putain, je peux pas monter à l'étage. Ici, je peux monter? Tu peux casser les vitres avec des objets. Oh merde. Oh, mais il dort. Mais ouais, je... Ah! Je rigolais. Mais je voulais juste venir te réconforter, mec. Ok, c'est bon. Je vous jure, je voulais juste le réconforter. Attends, est-ce que je peux... Oh. Je peux pas conduire ça. Merde. C'était une blague. Bah en vrai il est... Qu'est-ce qu'il fait? En vrai il est cool. Bonjour monsieur le voisin. Comment ça... Oh. Comment ça va? Check moi. Il veut pas juste me check? Ça va ou quoi BG? Tranquille, la journée se passe bien. Elle va bien ta voiture, c'est bizarre hein. J'ai fait un rêve cette nuit, c'est bizarre hein. Putain, il fait son sport et tout. Franchement, il a les jambes fines, hein. Frérot, faut bosser les jambes aussi, hein. Parce que là, il a fait les pecs, ok, mais les jambes, ça va pas. Hein. Il y a une clé dans le coffre de la voiture?
pas ouvrir le coffre. Putain, je peux pas ouvrir le coffre, fais chier. Va dans ta maison. Oh, je peux aller dans ma maison. Il y a des trucs dans ma maison. Attends, fais voir. Petit room tour, les gars. Petit room tour. Mais moi aussi, j'ai une déco de merde, là. Voilà, ça, on enlève. Ça dégage de la déco. C'est moche. Qu'est-ce que j'ai? Putain, j'ai rien dans les placards. Hein. Franchement, je suis pas très riche. J'ai une chicha? C'est quoi ça? C'est une chicha? J'ai une chicha. Mais je fume pas la chicha, moi. Oh. Attends, mais c'est quelle langue ça? Le langage, il est trop marrant. C'est un vase. Ah, ah j'avoue, c'est un vase. Ah, je croyais que c'était une chicha. Je croyais que c'était une chicha. Elle est trop marrante la langue. Ok, j'ai quoi dans mon frigo? Ah ouais, mais tout est vide en fait chez moi. Bon, attends, on va refermer le frigo, sinon ça va décongeler. Oh, des bananes! Je veux manger une banane! Eh, mais moi, je suis un mec sportif! Les bananes! Manque plus que le flocon d'avoine et le flocon d'avoine, et t'as vu, je suis un vrai sportif. Encore une chicha, frère, j'ai des chichas partout, hein. Ok, petite salle de bain. Pas mal, pas mal. Ah! Vas-y, frère, ma télé, elle est chelou. Et même ma maison, elle me fait flipper en vrai. Ok. C'est quoi ça? Pour allumer la lumière? Oh, apparemment, il n'y a pas d'électricité. Oh, ma petite chambre! Putain, mais c'est quoi ces cadres là? Ça dégage là. Ça, ça file. Hein. Allez, hop. On enlève ça. Mais attendez, comment on prend des objets? Est-ce que je peux prendre. Oh! Oh! Comment je l'ai pris? Comment je l'ai pris? Clic droit? Mais comment je le prends? Regarde tes touches. Bah ouais, parce qu'attends, parce que là il y a un problème. Paramètres. Contrôle. Changer les touches. Ramasser. Ah, faut que je reste appuyé sur E. Ah, d'accord. Ok, donc je peux prendre des objets et tout. Ah, mais j'ai une chambre d'amis. Trop mignon, il y a ma famille. Bah attends, mais on est. Mais attends, mais on est des mis. Mais attendez, les gars, on est d'accord, j'ai une famille de mis. C'est des mis, ça. C'est un jeu Nintendo? Me dis pas que c'est un jeu Nintendo, parce que là, ça commencera à me faire vraiment très flipper. Mais on est d'accord, j'ai une famille de mille. De ouf, des mille. Mais la vie de ma mère, c'est des mille, ça. Vas-y, ça commence à me faire flipper, ce... Ah, j'ai cru que j'avais plus de porte. Eh, hey, j'allais devenir fou. Eh, hey, je suis en train de devenir fou, les gars. J'ai cru que j'avais plus de porte. Bon, venons. Comment ça? Mais il est où? Ah, mais il est là encore. Mais dégage de chez toi. Enfin, bah, vas-y, bouge, frère. C'est trop, mais c'est trop. Va faire autre chose, gros. Va chez la voisine, je sais pas. Putain, il fait chier. Hop, je l'ai niqué. C'est quoi encore ce bruit là? C'est quoi ça? Oh, je l'ai pris. Attendez, les gars. Oh merde. J'ai essayé de casser la portière. Gros, je vais lui jeter la boule de bowling dans la tête. Comment? Elle est où la clé, les gars? Putain, mais il n'y a pas de clé. Ah, il est aux chiottes. Merde, il va revenir.
Ah, j'ai paniqué. Je voulais lui jeter la boule de bowling. Ah. Mais j'ai paniqué. Je voulais lui jeter la boule de bowling dans la tête pour voir ce qu'il allait faire. J'ai eu trop peur. Putain. Merci Final Striker, Détros, Vitro Céramique, Romain, Légim, Final Striker. Merci beaucoup les gars pour tous vos dons. Ceux qui mettent des pouces bleus, merci les gars. La clé est dans le frigo. Putain, il casse les couilles. Mais il est où le frigo? Vous voyez un frigo vous? Oh merde encore. Oh, j'ai trop géré. Oh, je suis un monstre. Je suis un monstre. Il sait pas où je suis. Attends, il a pété une fenêtre. Il a pété une fenêtre là. La clé est à l'étage. La clé est en haut, faut que tu... Oh, il est vénère. Faut que tu prennes des cartons pour monter. Quoi? J'ai ramassé un carton. J'ai eu trop peur. Et comment ça faut que je prenne des cartons pour monter? Pour monter où même? Mais on peut pas monter là. Ah, des cartons dehors vous dites? Comment? Oh, j'ai cassé la... Aïe, aïe. Ah! Il m'a craché dessus? C'est quoi là? Il m'a acheté de la sauce tomate! Eh! Il m'a acheté de la sauce tomate! Et je te jure, il m'a craché un gros molard dessus là! Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? C'est du sang! Ah, c'est du sang? Ah, je me suis blessé! Je suis blessé, vous croyez? Ok. Je te jure, j'ai cru qu'il m'avait craché dessus. L'échelle de dehors. Attendez donc, les gars. Oh, mais attends. Oh, je suis un génie. Merde. Comment je monte? Merde. Merde, merde. Je suis pas là. Je suis pas du tout chez toi, frère. Comment on fait? Mets un carton. Faut que je monte sur l'échelle et que je mette un carton en plus. Okay. Normalement, j'ai laissé un carton là. Ok. Mais il y a plein de cartons dehors. Ok. Vas-y, attends, je vais monter. Merde, merde, merde. Les gars, on va découvrir l'étage de sa maison. Mais putain! Mais putain! C'est une blague! Pourquoi il a claqué le carton par terre? Oh merde, il est où? Oh, je crois que je peux passer long. Oh putain, il allait me choper par le callback. Je t'ai volé un carton, nananer, nananer. Ah, il a trop le seum. Roll, Raoul, merci pour tes 50 euros, frérot. Wesh, merci infiniment, mon pote. Grosse dédicace, BG, merci beaucoup, hein. Mec, je vais voler un carton, il a trop le seum. Tu peux avoir 4 objets en une fois. Ah, j'aurais dû prendre plein de cartons. Vas-y, il peut pas rentrer chez lui, là. Ok. Attends, mais il s'est passé quoi, là? J'ai eu trop peur. C'est quoi? C'est une poubelle? C'est bizarre, on dirait que ça me fait sprinter. Mais, hey, il me rend ouf à faire son sport, là. Ah, voilà, il rentre chez toi. Applique-toi, Mich-Mich. Mais les gars, je vous jure, je fais de mon mieux, mais je sais pas jouer du tout, je suis une merde. Bon, allez, bouge!
Mais il me rend ouf. Je vais le niquer. La vie, je vais le niquer. Je vais te niquer. Ah ah, je rigole. Wesh, il m'a acheté quoi là? C'est un malade. Je suis le livreur, je voulais te livrer un colis. Oh, il est rentré chez lui par la fenêtre. Oh merde, il m'a vu direct. Putain, il est vif, hein. Mais vas-y, mais rentre chez toi. C'est du sel. Oh, bah y a plus. C'était du lait, non? Comment ça, du sel? Attends. Je vais lui voler tous les cartons. Oh, j'ai volé tous ses cartons, frère. Mais pourquoi il a plein de cartons? Il est en plein déménagement. Ah, il écoute la radio. Oh merde. Il est à côté? Arrête, cours. Attends, mais il était juste à côté de moi, j'ai eu de la chatte. En vrai, je peux y aller, non? Je sais pas, il est où? Eh, sa radio a fait flipper. Mais merde! Oh! J'ai réussi! Vous pensez qu'il faut que j'en remette un? Oh! Merde. Attends, je... Oh non, je suis tombé. Vous pensez c'est bon, faut que j'en remette un? Oh! Je suis sur le toit, frère! Comment je... J'enlève le carton? Ah. Je peux pas virer le carton? Bon, tant pis. Là, comment je fais? Va sur l'autre. Ok. Oh! Merde! J'ai fait un vol plané! Oh! Wesh! Pourquoi ma... Il a pété ma maison? Mais pourquoi ma fenêtre, elle s'est cassée? Je vais... Oh la vie, je vais le niquer. Je peux pas... Putain, j'ai pris un cadre. Je vais le niquer, frère. Sale chien! Hop là, prends ça! Putain, je l'ai... Oh. Wesh, il shoot ses propres cartons, gros. C'est un ouf. Oh, attendez, parce que... Attendez, je vais devoir aller là pour monter là et rentrer ici. Attendez, il me faut un truc pour péter la vitre. Je peux pas prendre mon tel. Mec, je prends les objets de chez moi, j'en ai rien à péter. Voilà, je prends ça. Je vais péter la vitre. Attendez les gars, je regarde juste un truc. Comment je prends rien dans ma main? Emplacement d'inventaire 1, 2, 3, 4. Ça marche pas. Bon, d'accord. Ok. Il est parti. Eh, sa radio a fait trop peur. Ok. Attendez, donc faut que je saute, mais pas trop loin non plus. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi, les gars. Je crois qu'il est monté. Il est où? Oh! Oh! Il m'a aspiré! What? La vie de ma mère, il m'a aspiré, frère! Mais hein? La vie de ma mère, il m'a aspiré! C'est un malade! Mais c'est un malade! Mais wesh. Mais la vie m'a aspiré avec son aspirateur. Mais c'est un ouf. Nélo, merci pour tes 5 francs suisses. Merci Ludovic pour tes 10-20 euros. Ifik, merci pour tes 1 euro. Mais wesh. C'est-à-dire, il peut pas monter. Ah, il peut pas monter. C'est seulement l'acte 1.
Mais attends, c'est vrai qu'il y avait écrit acte 1, mais c'est trop dur déjà. Hein. Mais le jeu, il est vraiment trop compliqué. Hein. Mais c'est un ouf d'avoir essayé de m'aspirer. Eh, hey, je vais le niquer. Il a cru que t'étais un fantôme. Moi, il m'a jamais aspiré, la chance. Ah ouais, bah la chance. Hein. Ok, il est rentré chez lui. Allez, va faire caca. Oh, what? Qu'est-ce que... J'ai cheaté là? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi les câbles? C'est quoi ça? Attends, c'est relié à où? Hein? Quoi? C'est quoi cette merde? Oh merde. Comment il sait que je suis là? Comment il sait? J'ai trop peur. Il fait son sport en bas. Enlève le gros tableau. Oh! What? Oh. Mais wesh! Mais attends, mais il a une... Oh, la clé! J'ai une clé, les gars! C'est pour ouvrir cette porte? Ah, mais attends, ça ouvre peut-être d'autres portes? Pente, comment je change d'objet? Attendez les gars, faut que je change mes touches. Parce que je vous jure, je peux pas changer d'objet. Oh putain, je commence à être méga stressé, gros. Attends, mais le jeu est trop bien en fait. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Bon bah, tu sais quoi? Cliquez sur le bouton que vous voulez affecter. Non mais je veux pas car. Bon bah ce sera ça. Et pourquoi? C'est de la merde. Pourquoi Y ça marche pas? Pourquoi il y a des touches qui marchent pas? Bon, bah ça sera YCVB. Comme ça, voilà. Oh merde. Il sait que je suis là ou pas, les gars? Est-ce qu'il peut monter? M'en fous, j'ai un balai. Attends. Ça. J'ai allumé un interrupteur, je sais pas à quoi ça sert. Ça, pourquoi? Comment? Oh, j'ai activé ça. Ça a ouvert la porte, vous croyez? Non. J'appuie ou pas, les gars? Oh, ça me fait peur. Je crois que je vais faire une dinguerie. Bah. C'est quoi cette blague? Eh, vas-y, elle est chelou, ça, mais... Oh, merde. Non, je voulais pas prendre la chaise. Oh. Attends, mais c'est abusé, comment je peux lancer les objets forts? Ici, vous pensez qu'il y a des secrets? Derrière le carton. Non, y'a rien. Bah, j'enlève tout, les gars. Je regarde au cas où. Oh, merde, merde. Foncez, il m'a vu par la fenêtre. Il est dehors, il est dehors. T'as enlevé le courant tout à l'heure. Ah, merde, vous croyez que c'est à cause de ça? Ludovic, merci pour tes 20 euros. Merci beaucoup, poteau. T'as loupé la clé rouge de la voiture. Oh. Oh, clé de la voiture, j'avoue. Et du coup, là, c'est quoi? Clé de maison et clé de du garage. Il s'est passé quoi, là? Attends, j'ai eu trop peur. Mais il s'est passé quoi? J'ai eu trop peur.
Et du coup, ça, je peux pas l'ouvrir. Bon, déjà, j'ai la clé de la voiture. Venez, on va ouvrir le coffre. Il est où? Hop là, oh, je l'ai bien niqué, frère. Oh, je l'ai bien niqué. Oh, le voisin, il a trop le seum. Mais attends. C'est une blague? Les gars, je crois que c'est pas la clé de la voiture, hein. Merde. Oh, j'ai réussi. C'est quoi ça? Y'a un aimant? Comment ça y'a un aimant? Oh, je sens que ça va faire une dinguerie, ça. Oh! Ok. Putain, ça sert à quoi? C'est pas ce que vous croyez, j'ai pas du tout ouvert le coffre de votre voiture. J'ai pas du tout cassé la vitre de ta maison. C'est pas ce que tu crois. Putain, y'a un aimant, mais je fais quoi avec ça? C'est pour récup les objets de loin. Va derrière la maison. Venez, je rallume le courant. Oh merde. Non, j'ai éteint le courant ou je l'ai rallumé là? Je crois que j'ai éteint le courant. Oh merde, merde. Il est pas content! À l'aide! C'est pas ce que tu crois! Non, je crois là, j'ai éteint le courant là. Putain. Va vers la fenêtre du garage. Et les gars, j'arrive plus. Ah, mais il l'a rallumé, regarde. Je crois qu'il a rallumé le courant. En fait, je l'ai éteint, du coup, il est sorti direct. Oh, ça peut permettre de faire une diversion. Si je veux l'amener ici, genre. J'ai éteint le courant et du coup, lui, va vouloir le rallumer. Ok, les gars, je suis intelligent. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh. C'est un ouf. Mais wesh, c'est un malade. Putain, mais il m'a vu de loin. Il m'a vu à travers la fenêtre, je pensais pas que c'était possible. Putain, mais là il sait que je vais aller vers là-bas, je crois. Faut faire une diversion. Les gars, je vais faire une diversion, regardez. Je suis un génie. Et je peux aller dans les voisins des autres. Enfin, dans les maisons des autres. Je peux aller dans les maisons des autres. Attends. Ah non, on peut pas. D'accord. Regarde. T'es prêt ou pas? Oh merde, 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 merde. Putain, mais je pensais le cadre, il allait plus voler que ça. Il a pas volé du tout. La clé que j'ai dans la main, t'inquiète. Non, c'est rien, t'inquiète, promis. Mec, j'ai emballé. Je suis prêt à le fumer en vrai. Bon, là, normalement. Mais non, jure la vie de ta mère, il sait que je suis là. Ah, il m'a acheté de la tomate. Ah. Ah. C'est un malade. Putain, mais il me rend ouf. Les gars, à chaque fois, il va là où je veux aller. Va aux toilettes, va chier, putain. Revalti, merci pour tes 10€. Merci, The Gamer. Pourquoi il veut pas aller chier? Il t'attend, où est-ce que tu vas souvent? Ah ouais? La vie, je veux péter sa vitre. Hop là! Chez, sale merde! Je t'ai bien niqué ta vitre! Je suis trop content. Je suis refait de ma connerie. Mais regardez, il est toujours là-bas là! Il entend quand tu cours. Putain, merde. Il va dire, il me rend ouf, il reste ici.
c'est bon, il rentre. Les gars, je vais être le plus discret possible. J'avoue, il est sorti par derrière. Mais ils savaient! Mais c'est un chien! Aïe! Mais la vie, il m'a... Mais il m'attend! C'est un... Alors lui, c'est un malade. Alors lui... Et tu sais quoi, je vais le niquer, je passe de l'autre côté. Et qu'est-ce que tu vas faire de ça? Il me voit pas là, si? Il me voit pas, il me voit pas. Merde, il sait que je suis là. Il m'a vu. C'est quoi, c'est bon. C'est pas grave. Merde. Oh merde, bah il est là. Je pensais il me suivait, moi. Les gars, là, ça devient compliqué. Il me suit. C'est un harceleur. Bon, au final, c'est un peu moi qui essaye de m'incruster chez lui, mais bon. Quand il rentre, essaye d'aller sur son toit. Attends, il est en train de se barrer, là. Là, c'est bon. Ok, vous voulez que je fasse quoi? L'aimant, ça sert à quoi? Ça sert à ça? Oh merde. Ça sert à quoi l'aimant, les gars? Pourquoi vous m'avez dit d'aller là? Attends, je suis chez lui. Ça sert à rien. Quoi le téléphone? J'ai quoi le téléphone? Oh. What? Mais comment? Pourquoi des fois je vole comme ça? La petite fenêtre. Va sur le toit, la petite fenêtre. Là? Faut que je mette des cartons pour rentrer, genre? Comment on fait pour tirer pas trop fort? Ah voilà. Oh, je l'ai posé. Putain, bon, j'ai trop d'objets, les gars. Oh. Oh. Attends, je vais peut-être pouvoir récupérer des outils. Merde. Mon aimant. Merde. Merde. Il est Keblo. Ah, c'est bon. Merde, non. Putain, j'ai pas fait exprès. Faut que j'en remette un? Oh merde. N'empêche, là, le voisin, il est trop con. Je suis derrière chez lui, il se doute de rien. Attends, je remets un. Oh merde. Je crois que j'ai parlé trop vite. Il est où? Il est là. Eh, il est lent en vrai. En vrai, il est lent. Mais en vrai, c'est au calme. Il est trop lent. Mais il est trop lent comme voisin. L'aimant sert à attraper une clé. Ouais, c'est la clé que j'ai vue là. Il sert à attraper la clé à la clé de 12, genre. Vous croyez qu'il est rentré là? Je pense que là, il est rentré. Il fait quoi? Putain, il m'a encore vu, mais c'est un bâtard! Mais il a senti ma présence, je te jure que je faisais pas de bruit, je comprends pas! Putain, mais il est chaud! Eh, je te jure, mon voisin, il est chaud! Mais c'est pas possible, il a mis des caméras dans sa maison! Team BG, merci pour tes 3 euros! Eh, par contre, les gars, dinguerie, Hello Neighbour! Vous avez une trop bonne idée! Le jeu, il est trop bien!
Il faut que tu attrapes une clé dans la maison au deuxième étage. Il faut attraper deux objets grâce à l'aimant. C'est un stream hacker. Non, je te jure, il me stream hack. T'as encore rien fait. Mais regarde! Rentre chez toi, fils de pute! Mais il me casse les couilles! Attends, tu sais quoi, je vais lui jeter une poubelle à la gueule. Il commence à me saouler, gros. Hop, ta clé, allez chez moi. Viens là! Pourquoi il s'en bat les couilles? Je suis chez lui, il en a rien à foutre. Bah d'accord. Merde, j'ai jeté l'aimant. J'ai jeté l'aimant, je suis en ouf. Oh le bâtard, il m'a jeté une tomate. Hop, j'ai récupéré un carton. Tu sais quoi, je vais bien le faire tourner en bourrique. Ah, l'aimant. Il est où? Oh, je l'ai niqué. Putain, il est où? Il est là. Viens, vas-y. Viens! Oh, mais attends, mais c'est un malade, il me jette des bouts de verre! Ok. Merde! J'ai fait tomber le carton. Putain, il m'a encore vu. Attends, je vais faire une diversion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je voyais tout bizarre, les gars? Mais il s'est passé quoi là? Ah! Cours! Putain, mais des fois je m'accroupis sans faire exprès! Merci Tom pour tes 20 euros! Merci mon gars! Merci Tom! Merci infiniment! C'est un seau d'eau? Il a mis de l'eau sur la porte. Tu t'es fait piéger. Quoi? Jure, il a mis un seau d'eau sur sa porte pour quand je l'ouvre, ça tombe sur ma gueule. Mais c'est un malade. Mais c'est vraiment un malade, le voisin. Bah après, en vrai, je m'incruste chez lui, donc c'est pas forcément mieux, mais... Non, mais il me rend ouf. Il faut que je trouve un moyen pour qu'il se barre. Il met des pièges, fais attention. Mais non, mais il me rend ouf. T'es trop con. en vrai, j'avoue, les gars, ça doit être frustrant comment je suis nul. J'ai une poubelle. Je l'ai bien niqué là. Pourquoi tu fais la taille de l'herbe? Attends, il fait demi-tour là. Putain, le bâtard, il m'a niqué, il a fait demi-tour. Putain, mais c'est un chien. Oh le ma. En fait, il sait que je manigance quelque chose derrière. En fait, il est intelligent, le voisin. Il a compris que je manigançais quelque chose derrière. Purée, il me rend ouf. Les gars, comment je fais? Faut que je fasse une diversion là, on est d'accord? Je vais retourner à l'étage. Je vais tout voler à l'étage. C'est quoi? Putain, mais tout à l'heure, comment j'ai fait pour monter d'un coup? Oh merde. Ah! C'est pas ce que tu crois!
C'est pas ce que tu crois, mec. Je faisais juste tranquille, j'avais perdu ma balle. J'avais fait tomber ma balle dans le coin. Il te faut une pelle. Quoi? Mais comment ça une pelle? Une poubelle, c'est plus pratique. Pourquoi une poubelle? Mais regarde, il reste tout le temps dehors, là. Va chez toi, un peu. Attends, après, j'avoue, il fait beau. T'as vu, il fait beau, il profite du soleil, je comprends. Ok, attendez. Là, les gars, il va pas arriver de sitôt. Merde. Mais j'ai du mal, en fait, avec les contrôles. Comment j'attrape? Oh, j'ai eu un truc. Non? Jurez, j'ai pas eu un truc là? J'ai un truc là dans les mains. Attends, j'ai aspiré un truc. Oh, c'est quoi ça? C'est une clé ça? Les gars, j'ai une clé? Je suis un génie. En plus, regardez, attendez, là il va rester dehors. Je vais bien niquer. Vas-y, va dehors. Hop là, je l'ai bien niqué. Non, ici y a rien. C'est ça. Oh. Comment je l'ai niqué? Oh. Ah mais je suis ici. Oh. C'est la clé d'ici. Attends mais c'est ilo. Oh. Il y a un abonné, il m'a dit il me faut une pelle. Merde. Oh, c'est ça qui me jette, cet enculé. C'est quoi? C'est du Elgou. C'est quoi du Elgou? C'est quoi? Oh, c'est un ralentisseur. Merde. Putain, c'est ça qui me jette. Je vais bien niquer, je vais niquer tous ces pots. Merde. Il est derrière. Vous croyez qu'il a compris que j'étais là? Oh, je vais bien niquer. Oh, il a trop le seum. Ah, il a trop le seum. J'ai niqué tous ses pots. Merde. Oh, bon bah voilà. Ok. Les gars, y'a plus rien à faire ici, on est d'accord? Faudrait peut-être que je sorte là, non? Let's go! Oh, il était là! Ah! Putain, il a encore des pots, le bâtard! Oh, le bâtard, il a encore des. Oh, il m'a fait trop peur! Oh, il m'a fait trop peur, il était juste devant! Eh mais en fait, vous avez raison, il va un peu flipper ce jeu. Valentino, merci pour tes 2 euros. Mich, acte 2, tu vas galérer, ça, tu seras enfermé et tout. Non mais arrêtez de mentir. Non mais attends, mais gros, c'est trop dur ce... Non mais déjà, juste l'acte 1, il est impossible. Antoine, merci pour tes 10 euros, merci mon pote. J'ai flippé, je me suis chié dessus. Même moi. Mais comment le jeu, il fait peur? Moi, je me suis toujours dit... Les jeux d'horreur, s'il ferait beau, qu'il y aurait du grand soleil et tout, ça pourrait pas faire peur. Et en fait, si. Tu devais pas être là pendant 15 jours. Ouais, c'est à partir... c'est dimanche que je pars. Donc les gars, là, j'ai une clé. À quoi ça peut... Oh merde, il m'a vu. Ah, ça peut peut-être servir. Oh, oh, je suis un génie. J'ai réussi à dévisser la porte. Oh, il a trop le seum. J'ai dévissé la porte! Oh, il a trop le seum! Et la pelle. Est-ce que je peux faire des trous? Je peux pas creuser un trou, genre? Ça sert à rien la pelle! Ça sert à un truc vraiment la pelle?
Les gars, on va voir. Là, j'ai trouvé pour aller à l'étage. Enfin, j'ai trouvé pour accéder à un autre endroit, là. Oh, il est là. Putain, mais t'as vu, il a capté, hein. Il reste que dans les parages. Ok, là, il va revenir vers le devant. C'est le moment d'y aller. Ok. Oh, putain, regardez, j'ai ouvert. Oh, putain. Ok, là, je suis en sécurité, je suis sur son... Bah attends, mais il a créé un death run sur son... Oh, je suis dans son grenier. Oh. Je suis où, là? Oh, il y a une clé. Attendez, je saute. Oh, il a fermé avec une chaise. Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais eh, sa maison, elle fait bader. Ok, là, j'ai encore une clé, les gars. Je sais pas. Oh, la clé rouge. C'est la clé du sous-sol. C'est la clé du sous-sol, non? Attends. Arrête, arrête, arrête. Ta gueule! Arrête! 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 Ah! Putain! C'est pas possible! Attendez. Je suis où là? Ah, je suis là! Ok, je suis à l'étage encore. Ok, ok, ça va en vrai. J'ai rien oublié d'autre? Non. Je crois qu'après j'ai rien oublié d'autre. T'as la clé rouge, j'arrive pas à savoir c'est la clé de quoi. Je crois que c'est la clé d'en bas. Attendez, est-ce que c'est enfin ouvert ça? Putain, c'est toujours pas ouvert. Ça peut pas s'ouvrir. Ok, faut peut-être redescendre. Il est où? Oh merde! Ah, je suis sur ton toit, t'as le seum. Je l'ai bien niqué. Ah, je t'ai bien niqué. Regarde-le, il a sorti son aspirateur là. Mais mec, c'est un malade, il a sorti son aspirateur. Bon, ok, là les gars, j'ai une clé. Maintenant, cette clé, elle va me permettre d'accéder où? Ça, je me demande encore. Eh, ça fait longtemps qu'il m'a pas chopé, ce nul. Là, par contre, je crois qu'il est dans son salon. Faut l'attirer dehors. Je vais faire genre, je vais aller dehors. Si, regarde, c'est la clé. C'est la clé du sous-sol. Oh! Je suis en train d'attirer dehors, les gars. Il est sorti ou pas? En vrai, c'est un sous-sol normal. Dans la machine à laver. Me dis pas, il a mis quelqu'un dans la machine à laver. Oh, what? Hein? Attends, je referme la porte. Il se doutera jamais. Il se doutera jamais que je suis là. Hein? Mais c'est des fausses fenêtres. Il y a une pasta box, frère. C'est quoi cette pièce vide là? Mais lui, ça se voit, il fait des rituels bizarres. Eh, hey, il fait chelou. Il est chelou, le voisin. Eh, hey, ça se voit, il fait des rituels chelous. En plus, il a l'habitude. Il y a plein de canettes. Ah, ça s'est enfilé des coca, hein. Putain, il y a une pasta box, elle a l'air grave bonne. Ok. Je dois faire quoi maintenant? Attends, je vais casser la fenêtre. Oh! Attends, je recasse. Oh! C'est ça qui vaut vert. Je vais tout brûler. Je peux pas prendre les bougies? Putain, je peux pas prendre les bougies.
Oh. Oh. Je suis rentré. Wesh. Je suis rentré dans la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore plus chelou que ce que je croyais. Ça fait trop peur. C'est un malade. What? C'est quoi ici? Vous pensez que je peux casser ça? Je peux pas. Mais attends, il y a encore plein de trucs. Il a fait un rituel satanique. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces tuyaux là? Mais il est plombier ou quoi lui? Mais c'est sûr il est plombier le voisin hein. Mais c'est sûr le voisin il est plombier hein. Oh. Vous pensez je dé... Il y a une prison? Comment je... Il y a une... What? Attends il est Gucci le prisonnier en vrai, il a une petite téloche et tout là. Mais attends mais sa maison elle est gigantesque. Oh merde, je me suis caché. Pourquoi il y a un truc pour se cacher? Pourquoi il y a un truc pour se cacher? Et pourquoi il y a une clé? C'est pas normal. Attends, je pense qu'il faut que je désactive. Comment? Allez. Oh. J'ai tout éteint. J'ai tout éteint. Non, faut pas que j'éteins, je rallume. Comment? Oh! Ok, j'ai réussi à ouvrir. Ta gueule, toi. Y'a rien dans les tiroirs? Mais son sous-sol, il est interminable! Mais pourquoi y'a ça? Je peux pas ramasser les bougies? Ça fait trop flipper. Ok, il y a un frigo, un tiroir. Son pantin qui fait boue là. Débile. Tu me prends pour un débile ou quoi? C'est toi le débile. Voilà, je te tacle. D'accord. Oh. C'est quoi là-dedans? Encore des tuyaux, mais... Il a un vrai souci de plomberie. Hein. Non, je te jure, faut appeler un plombier. C'est pas normal qu'une simple baignoire ait autant de tuyaux. Désolé, mais là, sa maison, elle est mal faite. Hein. Il faut l'aider. Hein. Attends. Il a encore fermé une porte. Mais... Non, mais là, ça y est, ça fait trop peur. Je suis où, là? Non, mais là, c'est trop. Il a dépassé les limites. C'est quoi cette dinguerie? Mais non mais là c'est même plus bizarre. Oh. Putain ça se voit ici si avec la pelle je creuse un trou dans le sol je déterre des cadavres. C'est quoi ça? C'est une lampe? Oh! Une lampe torche! Ça se voit, non mais ça se voit, il faut pas creuser là. Ça se voit ici, tu creuses, tu déterres des trucs de fou. Hein. Il y en a un, il m'a dit quitte, ça fait trop peur. Putain, on peut pas ouvrir. Mais je pensais pas que c'était un jeu de... Mais pourquoi il y a des écrans comme ça partout là? Il y a quoi tout là-bas? Mais attends, mais what? Sa maison, c'est un putain de palace. Mais bon, il a une maison de fou, hein. Comment je passe là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi? Mais gros, il a ramené toute l'électricité de la ville chez lui!
C'est quoi ce bruit? Attends, mais je suis perdu, les gars. Non, mais là, je suis complètement perdu. Hein. Et encore une autre télé? Attends, mais il dit quoi la télé? C'est peut-être important. Attends, mais c'est quoi le bruit? Vous croyez qu'il est là? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un là-bas? Ah, oh, c'est ça. Attends, je vais m'électrocuter. Je vais m'électrocuter là, non? Comment je fais? Comment je fais? Oh, oh, je me suis fait peur, putain! Je me suis fait peur moi-même! J'ai niqué le mur. Oh! Oh! Wesh! On peut regarder à travers les serrures des portes! Il y a une autre porte. Une autre porte avec un grillage carrément. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Mais attends, mais what? Coupe l'électricité. Mais les gars, j'arrive pas. Comment on fait? Coupe le courant. Faut que je retourne au tout début là? Éteins le courant au début. Putain, mais ça fait trop peur ça. Suis les câbles, il y a un fil, suis-le. Ah ouais. Ah ouais, il y a un fil. Comment je fais là? Il va à l'étage. Ça va à l'étage. Suis le câble. Ah ouais, mais là je peux pas là. Je dois remonter? Bah va à l'étage. Passe par-dessus le grillage. Vous croyez? Comment? Est-ce que je peux prendre ce meuble? Oh, j'ai pris la télé. Vous pensez que c'est ça qu'il faut faire? Oh! What? J'ai trouvé un glitch! J'ai trouvé un glitch! Putain, mais comment j'ai fait? Avec les pavés? Avec les pavés, je peux passer. Mich, c'est bizarre là. Là, ça fait vraiment flipper. Hein. Attends, regarde, regarde. Je suis sûr que je peux faire un glitch. Merde. Oh! Vous voyez, je peux faire un glitch! Non, mais je pense qu'on peut pas passer au-dessus. Faut que je remonte. Oh! Prends des cartons. Ouais, mais y a pas de carton. Ou les chaises? Vous pensez qu'il faut que je prenne les chaises? Maintenant il y a un bruit d'eau. Oh! Attends. C'est bon, j'ai coupé l'électricité. Oh merde! Ah mais c'est bon, j'ai ouvert la porte! Oh, mais en fait c'était juste ça! C'était juste ça les gars!
Mais oui, comme j'ai ouvert toutes les... Oh, le pantin, il m'a fait trop peur. Bah attends, mais... Je suis où, là? Bah attends, mais j'ai jamais été ici. Quoi? Bah attends. Il est là? Oh, je crois qu'il est là. Ah! Il est là! Il est là! Ah! 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 Merde! Il m'a rejoint dans le sous-sol! Oh, il m'a fait flipper sa mère! Non, me dites pas que maintenant il est dans le sous-sol. Non! Me dis. Oh? Attends, mais l'acte 2 il a commencé là? Me dis pas que maintenant il va être dans le sous-sol. Non, je suis pas prêt. Non. Frère, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à me battre contre Mario, frère. Mais il y a des tuyaux partout chez lui, je te jure, c'est Mario le voisin. Je suis pas prêt, frère. T'as pris trop de temps, il t'a rejoint. Oh putain. C'est terrible. En vrai, il a l'air un peu débile, non? Ah! Je suis bloqué dans ce gouffre infernal. C'est l'acte 2. Non mais là, on est d'accord, l'acte 2, il a commencé. Putain. Putain. C'est quoi ça? Il a voulu me niquer là! Attends. Quoi? Ah! Mais wesh! Mais c'est du spawn kill ça! Mais c'est un malade! Non, c'est toujours l'acte 1. Mais 1! Oh le bâtard! C'est ça le pseudo! Ah, c'est ça que je m'étais pris la dernière fois. C'est un bâtard. Putain, mais c'est un chien. La vie, c'est un chien. La vie, c'est un chien. Rentre chez ta mère, toi. Rentre chez toi. Rentre chez... Oh, je l'ai touché! T'es mal, il bug! Aïe, aïe! Imagine une tomate! Sale chien, c'est vraiment un chien. Je prends un ballon de basket. Mais vas-y, mais dégage. Putain, les gars, j'ai trop le seum, je me suis fait niquer. Oh, il vient d'installer un piège. Mais c'est un malade. Il a mis un piège à ours pour me niquer. Mais c'est un malade! Mais toi, t'es un malade! Dégage! Il me jette des tomates en plus, mais non, mais là, c'est de l'humiliation. C'est un putain de campeur. Non, mais là, c'est abusé, là. Là, on est d'accord, c'est abusé. Ce niveau est trop dur, bonne chance. Oh là 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 là.
Merci Corentin pour tes 2 euros. Bon, il est plus là. Mais il a remis le piège. Putain. C'est un bâtard. Mais la vie, c'est un bâtard. Mais dégage. Mais comment je vais là? Ça fait flipper. Mais en plus, c'est sûr, là, il va remettre des pièges. Eh, mon ombre, elle fait flipper, non? Je trouve que mon ombre, elle fait trop peur. Mais regarde! Mais arrête! Eh, vas-y, eh, faut le laisser pendant 10 minutes. Eh, pendant 10 minutes, les gars, je reste dans les escaliers. Il va finir par se barrer, non? C'est un campeur. C'est un campeur. Je vais rêver de lui ce soir, c'est sûr. Mais même moi, en vrai. La vie, je vais rester ici. Lance-lui plein de trucs dessus. Ça sert vraiment à quelque chose? Casse les caméras de surveillance. Il y a, comment ça, les caméras de surveillance? Il y a des cams? Il y a vraiment des caméras de surveillance? Putain, je me suis fait peur. Il a mis un seau d'eau, ce bâtard. Ok. J'ai réussi à passer, les gars. Ok, il est retourné là-bas. Oh, je l'ai niqué. Oh, je l'ai niqué. Oh, ce que je viens de lui mettre. Ok, je suis de retour ici. Je suis en barrage. Il a plus le droit de venir ici. Pourquoi j'entends un bruit chelou là? Ah, je suis de retour ici. Oh, mais c'est la porte que j'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure. Bah attends. Oh. Ah, mais ça marche plus. Les gars, faut trouver un système pour réparer cette porte. Sinon, je pourrais jamais passer. C'est ça. Ouais, mais il faut que je passe de l'autre côté du coup. Comment on fait, les gars? C'est quoi ce bruit? Il faut que tu prennes un tableau. Pourquoi un tableau? Tu passes au-dessus du grillage. Déjà, donne-moi la lampe. Peut-être avec ça. Frère, j'en sais rien, je teste tout. Oh! 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 Je suis un génie? Oh! C'est bon! Ah mais bon. Ah mais par contre maintenant je suis. Ah non c'est bon. Faut que je remonte ici. Allez là. Allez ta mère. Oh je suis un monstre. Oh je suis un monstre. Il se passe quoi? C'est pas moi qui. C'est pas moi qui joue, les gars. Ah. Quoi? C'est une course poursuite. Ah. Ah. Mais c'est quoi cette merde? Ah, comment je fais? Ah! Mais je pouvais rien faire! Oh, acte 2! Les gars, j'ai fini l'acte 1! On a gagné l'acte 1! Oh! Attends, quoi? Je suis blessé? Oh! Il m'a enfermé chez lui! Il m'a chopé, il m'a enfermé chez lui. Oh le bâtard. Oh le malade. C'est un malade mental. C'est
c'est en malade. Oh le ouf. Il m'a chopé, il m'a enfermé chez lui. Yes, t'es enfermé, cher. Putain. Merci Corentin pour tes 2 euros, Galadion. Merci beaucoup les gars. Je guette juste voir si ma carte est bloquée. Merci Anissa, Océanio, ça va. Monte sur le grillage avec des cartons, bah j'ai trouvé mieux. La porte est ouverte. Attendez les gars, on fait vraiment l'acte 2 maintenant là? Non, on fait l'acte 2 ou pas? Parce que là, je vais commencer à flipper un peu. Oui, go. Oui. Oh putain de merde, l'acte 2. Oh là 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 là. J'ai déjà plus envie de jouer. Ça fait trop peur. Bon bah c'est parti hein. Acte 2 les gars, acte 2 Hello Neighbor. C'est quoi cette dinguerie là? J'ai juste essayé d'ouvrir la porte. Attends, il vient de fermer la porte. Oh. Hein? Je suis dans le sous-sol. What? Non mais là ça devient n'importe quoi là. Mais à la base, c'était un jeu tout mignon. Fallait aller dans la maison du voisin. Attends. Je peux pas passer ici? Je jure, je peux pas passer. Si, c'est bon. Attends, mais les gars, je fais où? Non, mais là, le jeu, il a trop changé. Là, le jeu, il a pris une dimension que j'aime pas trop. C'est quoi ce bruit? Il dort? J'arrive pas à monter. What? C'est quoi ce que j'entends? Faut monter là, tu crois? J'arrive pas, je peux pas monter. Faut peut-être aller quelque part d'autre. Les gars, je vous jure, je sais pas où faut aller. Attends, il y a une poupée. Je peux pas la ramasser. Mais attends, mais je crois que je peux rien ramasser. Je peux rien ramasser, mec. Ok, là, il y a des tuyaux. Là, il y a un truc d'électricité qui va en haut. Oh! Ah bah attends, mais je suis trop con. J'étais persuadé qu'on pouvait pas aller dans la ventilation. Oh. What? Mais c'est quoi cette échelle? On dirait pas l'échelle à la Ménoparadis. Oh. What? Oh! Oh! Oh merde. Je l'entends. Ah! Il m'a enfermé chez lui! C'est un malade. La vie de ma mère, c'est un malade. Quoi? Mais c'est un malade mental! Mais wesh! Non mais là, c'est trop. Attends, mais... Ah, mais il a rajouté un étage à sa maison. Mais ça fait combien de temps que je suis enfermé là-dedans, là? Oh, j'ai pas envie de le voir là par contre. Il me fait trop peur. Attends. Okay. Oh. Il a barricadé la fenêtre. En plus, je suis monté alors que j'ai pas d'objet, je suis trop con. Il est où? Putain, je sais pas.
Oh merde. Il est dans les parages. Oh lolo lolo. Les gars, non mais là c'est, non mais là c'est n'importe quoi. Hein. Il sait où je suis. Je crois qu'il est dans sa salle de bain. Oh. Mes chaussures. C'est mes chaussures. Oh, il y a des jumelles. Mais what? Mais qu'est-ce qu'il fait dans son jardin, mec? Les gars, je sais pas où faut aller. Je pense qu'il va falloir rentrer. Oh merde. Oh, il est là, il est là. Oh, il est parti se coucher. Ah! Ta gueule. Sa cuisine. Ah, Skip, il y a un truc dans son frigo. Oh, vous êtes des génies. C'est la clé pour aller dehors, ça. Putain, les gars, vous êtes trop forts. Ok, je sors. Ah, mais il faut que je trouve ça. Les gars, à la fin, faut qu'on trouve une clé rouge à la fin. Eh, les gars, ceux qui ont dit frigo, vous êtes des monstres. Ok. Ok, maintenant, on monte. Maintenant, faut aller où? Oh merde. Bien, mais il y a même une porte ici. Mais c'est quoi ce merdier? Vas-y, je monte à l'étage. Il y a un bouton dehors sur les barricades. C'est un hélicoptère ou je rêve là? Oh. What? Une piscine privée? Oh la dinguerie, frère! C'était un piège. Il y a un requin. Quoi? La vie de ta mère, la piscine, c'était un piège. Attends, mais je rêve où il va faire nuit, là. Je rêve où le temps, il fait peur. Putain, mais pourquoi je suis allé dans l'eau? Je suis trop con. Mais attends, mais j'ai pas vu de requin, moi. Ah, mais si. Oh. Mais oh. Ok, il y a un truc si je veux me cacher. Est-ce que la porte elle s'ouvre? Ok. Oh. Non mais vas-y, sa maison elle me fait trop peur. Vous pensez à des trucs derrière les cadres? Je pense que ça sert à rien. Putain, la porte elle s'ouvre pas. Faut une clé? Dans les tiroirs? J'ai activé une petite musique d'ambiance. Bon, ta gueule, ça me dit pas où est la clé. Oh, j'ai une lampe torche. Merde. Ça, ça va servir. Glace l'eau de la piscine. Mais comment? Comment ça glace l'eau de la piscine? Vous êtes bien marrant, vous. Comment vous voulez que je glace l'eau? Faut que je... Ah, mais le requin, il est trop rapide! J'ai essayé d'activer le tuyau d'eau! Mais attends, mais le requin, il est trop rapide! Oh non, il fait nuit. Non, mais maintenant, il fait nuit dans le jeu. Attendez, les gars, mais vous êtes sûr qu'il faut que j'aille en haut? Vous êtes sûr qu'il faut que je fasse ça? Non mais le requin, je vous jure, il est trop rapide, je peux rien faire. Putain, mais il y a une porte là-bas. Je retente une dernière fois. Hein?
Mais c'est un requin robot bizarre. C'est même pas un vrai requin, regarde. What? C'est impossible. C'est impossible. Le requin, il est trop rapide. Il est trop rapide, le requin. Ah, après, peut-être avec les tuyaux d'eau dehors. Peut-être avec ça. Les gars, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Là, il y a des trucs, ça sert à rien. Putain, les gars, là, je vous avoue, je sais pas c'est où la suite. Attends, peut-être ça. Peut-être je monte. Faut que je monte, je pense. Faut que je grimpe sur des trucs. Oh. Je peux pas enlever les clous avec un truc. Il me faut un pied de biche. Merde, merde, merde. Il est où ? Je crois qu'il est dans sa cuisine. Regarde dans le frigo. Prends la manivelle. Saute sur le tuyau. Ah! Faut vraiment faire ça? Attendez, vous êtes pas bête. Bah déjà, là je peux pas monter. Est-ce que je peux? Non. Là je peux pas. Ça sert à quoi? Non, ça sert à rien là. Non, je vous jure, ça sert à rien. Je vais essayer de remonter, non? Il est où? Il est où? Il est où? Oh le bâtard! Il m'a vu à travers la fenêtre! Putain, mais c'est un malade le voisin! Vous croyez, il me suit encore là? Oh le. C'est un chien. En fait, j'arrive jamais à savoir vers où il est à peu près. Ah! Putain, j'ai oublié son piège de merde. Comment ça, il est où là? Je peux pas aller dans son. Bah là je suis mort. Et là bien sûr qu'il va me trouver. S'il ne trouve pas, il est vraiment con. Oh, oh c'est le roi des cons. Pars-toi. Merde. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc qui clignote en rouge? C'est une caméra. Il a mis des cams. Mais non mais c'est un malade. Non mais là c'est impossible. Non mais là c'est vraiment impossible. Putain mais il y a encore une lampe torche. Putain mais il y a vraiment une cam. Mais pourquoi ça a pas cassé la vitre? Oh non, mais c'est une blague, je suis où encore là? Dlub. Non, mais là c'est une blague. Oh non, je veux pas y aller. C'est un manège? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un cauchemar.
Je suis dans un train fantôme et c'est la maison de mon, voisin. Mais qu'est-ce que... Non, la vie, ça fait trop flipper les bruits. Il y a peut-être des indices, non? Pourquoi il chiale? Oh la dinguerie! Et en vrai, il y a un vrai train fantôme comme ça, c'est une dinguerie. Oh là. Après, j'aurais un peu trop peur de monter dedans, je t'avoue. Eh, j'ai une petite montre, hein! C'est quoi ça? C'est une Rolex? Pourquoi je sens que ça va mal finir cette histoire? Oh! Mais mon voisin, ça se voit, il a un background. Oh putain. Wesh, ça m'a fait flipper. Mais elle, c'est un jeu de psychopathe. Et le mec qui a créé le jeu, ça se voit, c'est un psychopathe. Putain, je suis encore chez lui là, mais j'en peux plus. Les gars, comment on se barre d'ici? Là, je comprends pas. Regarde par terre, il y a un bout de tuyau. Mais il n'y a qu'un oreiller! Là, il y a une lampe torche. Putain, il était juste là. Attends, il y a un trampoline chez lui? Wesh, ça a l'air d'être une dinguerie le trampoline. J'ai envie d'aller jouer au trampoline. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous disiez un trampoline? Oh merde. Oh, fais chier. Eh, je monte à l'étage, j'en ai rien à foutre. Ça se voit, y'a rien à faire ici. Il sait pas que je suis à l'étage, si? Non, il sait pas. Non, mais les gars, c'est sûr, y'a un truc à faire avec ça. Bon, le placard, y'a rien. Putain. Oh. C'est des jumelles. Mais les jumelles, ça doit servir à quelque chose aussi, non? Putain. J'ai ma clé, elle sert à rien. Ça s'ouvre pas. Je peux pas prendre le feu. Putain. Dans le jardin, sur un mur en bois, il y a un bout de tuyau. Apparemment, faut que je trouve un bout de tuyau. Sur un mur en bois. Il m'a encore mis un seau d'eau. Attends, mais donc ça veut dire qu'il savait que j'étais en haut là? Il y a un bout de tuyau sur un mur. Oh le bâtard. T'as trop le seum, je suis en haut, t'as trop le seum. Oh le bâtard, il a sorti l'aspirateur. Oh il a sorti l'aspi. Oh, il monte. Oh le bâtard. Hop là, je t'ai bien niqué. Un bout de tuyau les gars, un bout de tuyau. Putain mais non, ça c'est le cadenas. Ok, il sait encore où je suis. Non, il sait plus où je suis. Vous voyez un bout de tuyau, vous? Tu l'as passé. Aïe! Il m'a lancé une tomate! Comment ça, je l'ai passé? Putain, le chien. Les gars, tapez 1 si c'est par là. Tapez 2 si c'est là. Tapez 3 si c'est là. Et taper 4 si c'est là. Mais il me rend ouf. Ah mais il est juste derrière moi en fait. 1 1 1 1 1 1. Ça veut dire c'est là. C'est ça. Ah ça. Le bout de tuyau derrière le mur. Putain mais lâche moi la grappe. Vas-y monte.
Il monte pas ? Oh le bâtard. C'est bon, il m'a oublié. Putain, mais il me rend ouf. Et la vie, tu sais quoi, je fous le bull chez lui. Oh le bâtard. Oh, il m'a piégé. Il m'a mis deux pièges. Mais c'est vraiment un malade, il m'a mis deux pièges, il m'a mis un piège à ours et tout. Putain, j'ai plus de lampe torche. Mais vas-y, tu sais quoi, je m'en fous. J'ai plus qu'une chaussure. Mais les gars, ça, je peux rien faire. Je vous jure, je peux rien faire. Ah! Ça. Oh. Oh. Vous êtes des génies. Ah, oh, j'avais pas capté que je pouvais faire ça. Et là, faut peut-être que je remonte. Non, mais là, ça fait peur. Il a mis un tuyau. Ah, mais c'est le tuyau de la dernière fois. Ok, il est en bas, je l'ai entendu, il est en bas. Ça a gelé l'eau? Bah attends, il n'y a plus de... Ah si, il y a encore un requin. Non mais ça a rien fait. Il y a deux autres manivelles à activer. Ah merde. Oh, bah le voisin il est bugué. Bah alors. Ah. Il s'est auto-piégé ce con. Attends. Attends, mais je vais en profiter. Je peux pas me barrer par en haut? Non, je peux pas sortir par là. Mais attends, mais donc ça veut dire que je suis bloqué là? Oh non. J'aurais grave pu en profiter, je suis dégoûté. Ah, débile. Débilos. Oh, merde. Ouais, vas-y, mais c'est un tricheur aussi. Vas-y, c'est un tricheur, gros. Putain, il s'était auto-piégé, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, il s'était auto-piégé là. C'était le moment. Bon, attendez, je pense que là, il faut un tuyau, les gars. Et j'en ai rien à foutre. Oh merde, merde, merde. Oh shit. Oh putain, je suis enfermé. Oh mais vas-y, mais toutes les portes, elles sont fermées. Ah mais il a réparé la fenêtre en plus. Si, alors là, si tu crois que tu peux réparer la fenêtre comme ça. Ah. Je me suis dit je suis sous le lit, je suis protégé. Il a regardé sous le lit ce bâtard. Putain. Il est où? Ok, je pète la vitre, je vais direct sous le lit. Putain, mais ça m'empêche. Ok. C'est bon. Là, il va faire une ronde. Ok. Là, il fait une ronde, il fait une ronde, il fait une ronde. Il sait pas où je suis. Ok, il rentre. Je pense que là, il est rentré. Eh, les bruits Windows, ils me rendent ouf, mais ils font peur à la fois. Merci Florian, merci les gars, tous ceux qui font des dons. Les frérots, merci de ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent à la chaîne, ça fait plaisir, bienvenue. Hein. Il y a des gens qui viennent de s'abonner là maintenant, genre. Attends, je prends son réveil. Comme ça, il va dormir plus longtemps. Ok, attendez, attendez. Il est où là? Oh, ah oh, putain de merde. Attends, mais ils sont où les autres tuyaux, les gars? Là, il y a un tuyau. Mais celui-là, c'est celui que j'ai activé. À Skip, il y a deux autres tuyaux à activer. Peut-être ici. Putain, mais il me rend ouf. Merde! Je suis allé direct dans ses mains, mais je suis vraiment une grosse merde. Mais je suis vraiment une grosse merde. En fait, je voulais monter à l'échelle. Je voulais monter à l'échelle, mais j'ai fait de la... Ah, mais j'ai encore les... C'est bon, j'ai encore le carton. Frère,
Frère, rentre chez toi, il fait nuit un jour. Ok, je sais pas ce qu'il fout. Pourquoi il fout là-bas? Pourquoi il fout là-bas, les gars? Il a vu le carton. Attendez, je vais aller à l'endroit où il a fouillé. Il a pas fouillé. Putain, mais j'avoue, pourquoi je suis sorti alors qu'il y a... Pourquoi j'ai galéré à prendre des cartons à l'intérieur alors qu'il y avait des cartons ici? Regarde, là, il fouille là-bas. Ah, ça, il faut l'activer. Il va falloir que je monte sur des cartons pour l'activer. Comment je peux? Ah mais c'est une jauge. Faut que ça soit dans le rouge je pense. C'est un indicateur. Ok. Donc là faut que j'aille activer. Ah mais en fait c'est où qu'il faut activer? Merde. Il est où? Ici. Ça faut l'activer. Attends, mais c'est méga haut. Mais what? Faut vraiment monter aussi haut? Faut faire un giga escalier là. Ok. Faut encore d'autres cartons. Et merde. Putain, je peux pas. Faut encore que je monte. Oh merde. Mais les gars, vous êtes sûr que j'ai la bonne strat là? Oh. Attends, mais il m'a pas vu? Mais vous pensez pas qu'il est malvoyant, le voisin? Je pense qu'il est malvoyant. Il analyse bien mes cartons. Oh putain, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Passe par le toit. Monte sur le toit. Oh mais non. Oh merde. Me dites pas. Ah mais non, je peux pas. Il est où là? Oh, me dites pas que c'est ça quand tout à l'heure il y a un mec qui m'a dit monte sur le tuyau. Il y avait vraiment juste ça à faire? Oh merde. Donc là, je me suis emmerdé à bricoler plein de trucs pour qu'au final il faille juste faire ça. Merde. Il me voit pas. Le voisin il est débile. La vérité il est débile le voisin. Après il bricole bien par contre hein. Putain la maison de fou qu'il a fait. Non bon attendez là sérieusement. Ah fallait juste faire ça. Comment on l'active? Oh le bâtard. Nananer nananer. Eh hey, il essaye de me choper les jambes. C'est un ouf. Ah, je vois plus rien. Ah, je suis tombé dans ses bras, mais mec, je suis une merde. Oh non, pas encore. Oh non, pas encore ça. Oh non, les gars, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est? J'ai encore fait un cauchemar. Oh. Oh. Il est triste.
C'est quand il a fait son accident de voiture? Il a fait son accident de voiture? C'est quelqu'un sur un lit d'hôpital qui est en train de mourir. Mais c'est pas lui. Il a tué quelqu'un pendant un accident. Mais c'est pas une raison pour devenir fou. Sa fille est morte dans l'accident. Putain, mais il me rend ouf, frère. Quoi? Non, mais là, c'est de l'abus. Non, mais là, non, mais là, là. Oh. C'est un malade. Putain, mais j'arrive pas à tomber. Putain, il m'a encore cramé. Fais chier. Ok, attendez les gars. Putain, pourquoi je tombe? Mais hé, je vous jure, j'ai trop du mal à contrôler mon personnage dans ce jeu. Oh putain. Il m'a ralenti. Non mais là c'est de l'abus, là je suis mort 1000 fois en 5 secondes. Déjà recramé. Non mais frère, j'en ai marre. Ok. Attendez, venez, on essaye de se faire discret un peu. Comment tu veux que je sois discret? Par contre, attends. Je veux juste tomber doucement. La vie, j'ai trop la haine. Il m'a pas vu? Je crois qu'il m'a pas vu. Par contre, je suis vraiment trop nul. Pensez que là, il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Putain, mais il reste tout le temps ici. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Oh. J'ai rajouté de la pression. Et là, je pense qu'il n'y a plus que lui. Ça, comment on l'active? Ça, je peux pas l'activer, les gars. Merde, merde, merde. Ah ouais, regardez, c'est bientôt dans le rouge. Et là, je peux pas tourner la manivelle. Non, il y a encore un autre tuyau. Les gars, faut encore que j'examine le tuyau. Ok. Là, ici, j'ai tourné. Après, tuyau, il va là. Il est où? Il m'a vu? Oh, le bâtard. Mais il court de plus en plus vite, en plus. Celui-là, j'ai activé. Oh, putain, il me jette des pots de colle. Mais les gars, je vous jure, je comprends pas. Il monte, là? Oh, il est en train de monter. Mais je vous jure, je comprends pas. Dans le salon. Il y a des pièges partout. Je jure, dans le salon. Oh, vous êtes des génies. Ah. Oh bah il m'a cramé. Je m'en bats les couilles. J'ai tourné toutes les manivelles. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est quoi cette histoire là? Eh? Il est en train de me choper en boucle! Hé! Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey! Ah! Mais il me spawn kill! Mais c'est du spawn kill! Mais il me spawn kill! Oh! What? Mais qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que je fous dans son salon? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais... Je vais devenir fou. Oh, c'est bon? Mais hein? Hein? Mais... Je suis en train de devenir fou.
C'est une boucle infernale. Ah! Mais j'en ai marre! Attends. C'est pas possible. Mais c'est un malade! Mais c'est un malade! Je comprends. Oh, attends. Mais non, mais je vais me retéper chez lui. Mais qu'est-ce que je fous dans ton salon? Fais espace, c'est un piège. Oh. Oh. Mais il... Laisse-moi partir. J'ai des deux. J'ai réussi à m'enfuir. Eh, plus jamais je me fais choper par lui. Eh, plus jamais il me chope. C'est un malade. C'est un malade, je veux plus jamais me faire choper par lui. Ah, mais il casse les couilles avec son... Oh, attends. Je peux pas réactiver son piège. Je peux pas le réactiver. Oh. Vas-y, viens. Vas-y, viens maintenant. Y'a quoi? Je t'attends. Oh, je suis un monstre. Je suis un génie. Et là, normalement, l'eau... Ça a rien changé. Il faut tourner la manivelle rouge. Oh, merde. Merde, donc j'ai activé le piège pour rien. Fait chier. Pas compris. Oh merde, merde, merde. Oh merde. C'est... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est bon. Faut que je la remette. Les gars, je fais quoi de ça? Ah, fallait peut-être juste que je la prenne. Attends, je peux remonter où il est en haut? J'ai peur qu'ils soient en haut. Ok, c'est bon. C'est quoi? Hop. Allez, voilà. C'est bon, là, il peut plus revenir. Et là, je vais devoir activer ça avec le robinet, non? Mais oui, mais je peux pas. Le requin, il est trop rapide. Mais la vie de ma mère, le requin, il est imbattable. What? Et pourquoi je spawn là où je meurs? Plonge vers la droite. Comment ça, mon ref? Saute. Il y a un levier. Mets des cartons. Descends. C'est pas au robinet, il faut que tu mettes le truc où il y a rien. Je me robinet pour tourner le... Oh merde, attendez, le chat a bug. Mais hé, hey, c'est trop dur. Là, je comprends pas ce que je dois faire. Le requin, il est imbattable. Le requin fait un cycle. Mais non, dès que je saute dans l'eau, il me rejoint. Parce que regarde, là, il prend du temps. Mais je vous jure, si je vais dans l'eau, je suis foutu. Il faut mettre sur les autres tuyaux que tu pouvais pas tourner. Mais je les ai tournés, les autres tuyaux.
Les tuyaux sur les toits. Le truc à côté du toit. Là où tu as utilisé la manivelle. Donc c'est pas ici, les gars. Là où tu croyais qu'il y avait une manivelle. Ah, je crois que je sais où vous me parlez. Hop, ça, on s'en fout. Vous me parlez de celui-là. Vas-y, monte. Ah oui, vous avez raison. Merde. Donc là, il arrive vraiment. Est-ce qu'il monte sur les tuyaux? Mais bien sûr qu'il monte sur les tuyaux, mais c'est un ouf. Attendez, mais vous prenez... Ah, mais je respawn ici, du coup. Eh, mais le jeu, il est cassé, je crois. J'ai cassé le jeu, hein. Ok, attendez. Donc, ici, là. Je suis vraiment une merde. Ok. Mais putain! Oh, fais chier, lui, il est là, mais putain... Ah, laissez-moi tranquille. Merci Juju pour tes 4 euros. Et là tu vas voir comme par hasard, avec la pression je vais y arriver. Pas du tout. Oh, salut gros cul. Bah alors, on est nul. Il est descendu. Ok, il est descendu. Il m'attend en bas avec l'aspirateur. Oh. Et là, c'est bon? Oh, le bâtard, il m'a acheté une tomate. Il est où? Ah! Quoi? Oh non, il m'a attrapé le temps que je montais à l'échelle. Attends, j'ai respawné. Ok. Mais c'est vraiment un malade. Non mais par contre il m'a attrapé un milliard de fois, hein. Attends, je réactive le piège. Merde. Active. Voilà. Je pense que là il est keblo. Par contre c'est dard parce que du coup je peux prendre ses pièges pour le piéger lui. C'est trop, c'est de la frappe. Non mais c'est toujours pas glacé les gars. Reprends le truc et mets sur un autre. Mais c'est une mission, j'en ai marre de ces tuyaux d'eau, je suis pas plombier moi. Oh merde. Il est descendu. Je me casse. Il est en train de remonter. Ok, et c'est quel autre tuyau les gars? Là il y a un tuyau mais je pense pas que c'est là. Là ça, ah ici, si c'est là. Je crois que c'est là les gars, je crois que je suis un monstre. C'est ici, ouais. Ok, après il faut remettre ici. Ok. Ici y a rien. Ok, il est tombé, je l'ai vu. Je l'ai vu descendre. Ok. Il me poursuit. Je sais pas il est où. Il faut pas perdre une seule seconde. Putain mais il met trop la pression. Ok. Là je récupère. Il y a encore un truc à faire maintenant. Est-ce qu'il y a encore un tuyau là? Il y a encore un tuyau ou pas les gars? Il y en a 3 à tourner. Oui, en face. Comment ça en face? Dans la maison. Déjà, là, je peux pas rentrer, on est d'accord. Non, je peux pas rentrer. Putain, fais chier. En face, dans la maison. Merde. Oh, merde. Je suis mort. Bon, c'est bon, il m'a capté. Il m'a capté sous le lit. Ah, le bâtard. Ça tient. J'en peux plus! Putain, maintenant il fait nuit. Je crois qu'il m'a pas vu.
Mais je crois, je te jure, il est malvoyant. Askip, c'est dans sa cuisine. Hein, mais il a rajouté une nouvelle caméra dans la cuisine. Ah, c'est ici. Oh merde. Oh non, non, non. Me dis pas que je suis de retour dans le gouffre infernal. Me dis pas que je suis de retour. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais de retour dans le truc infernal. Ok les gars, faut que j'arrive à l'emmener dehors. Il est où là? Il est à l'intérieur, non? Mais il y a des cams partout! Mais what? Mais la vie de ma mère, il y a des caméras partout! C'est un giga malade. Mais il court trop vite! Mais je suis foutu là. Je suis carrément foutu. Ok. Là, il va perdre du temps à monter à l'échelle. Vas-y, monte. Hop là, il perd du temps. Moi, je trace pendant ce temps-là. Direction son salon. Putain. C'est où? Putain, merde, c'est ici, j'ai oublié. Ah, mais non. C'est où, les gars? Il y a des gars partout. Oh, merde. C'est où, les gars? Oh, fish. Là au-dessus de l'échelle, comment ça au-dessus de l'échelle? Mais non, les gars, mais là il est trop vénère. Hein. Mais là je peux plus rentrer chez lui. Hein. C'est pas dans la maison. Cache-toi dans un placard. Putain, il remonte. Mais les gars, je vous jure, je comprends pas, c'est où. Éteins l'électricité. Ah, j'avoue, comme ça, il a plus les caméras. L'autre échelle. Laquelle? Quelle échelle? Si c'est cette échelle, tapez 12. Si c'est celle-là. Oh merde. Il est en train de monter. Pendant ce temps-là, je vais... Oh, bah il est en train de redescendre. Fais chier. Oui, c'est cette échelle. Ok, mais... où? Les gars, je vous jure, je trouve pas. Oh, le bâtard, il m'attend. Il y a un tuyau en haut de l'échelle barricadée. Mais ouais, mais comment j'y vais à l'échelle barricadée? Oh le bâtard. Oh, il va me choper. Il va me choper, c'est sûr. Je peux pas y aller là. C'est ça le problème. C'est que je veux bien y aller moi. Mais les gars, là, c'est que des endroits où je peux pas aller. Mais vous êtes sûr, il reste un? Attendez, je vérifie quand même. Putain, il reste un. Attendez, dites-moi, c'est où exactement et j'y vais. Dans le salon. Essaye là où il y a l'eau qui coule. L'échelle derrière la maison. C'est dehors là où l'eau coule. C'est ça? Oh, fais chier, il est là. Ah, mais il est encore bloqué. Oh, mais c'est de la triche! Ça veut dire que je suis foutu! Oh,
Mais t'es un tricheur, c'est un tricheur. La vie, c'est un tricheur. C'est un putain de tricheur. C'est là où il y a l'eau qui coule. Mais attendez, c'est vraiment vrai ou pas? Putain, il est là, mais il est partout! Il est partout! Mais il court trop vite! Ok. Ok, il est en train de monter. Je peux pas, je te jure. Dans le salon. Sur l'échelle. C'est pas possible. Non, y'a rien. Ah, ici. Si, si, vous avez raison. Attends, mais comment je fais? Comment je fais, les gars? C'est là? Comment je fais? Oh! J'ai trouvé! Il est où? Je sais même pas où il est. Putain, mais c'est un malade avec son aspirateur. Non. C'est un malade! Lâche-moi! Mais il m'aspire! C'est un ouf! Oh, il m'a bloqué. Merde! J'ai jeté mon truc. Qu'il est en train de témoin. Il faut aller à l'échelle et prendre des palettes en courant au-dessus, par-dessus le portail. Non mais là les gars, je comprends rien. Là, je vous jure que je comprends pas. C'est pas ça. Attendez, je vais profiter de l'avoir semé. Carton. Faut que je mette des cartons et que je monte. Eh, si c'est juste ça depuis le début, je pète ma tête. Non, je peux pas. Hein. Je peux pas, les gars. Hein. C'est pas ça. Putain. Pas ici. Carton à l'échelle. Genre là. Non mais vas-y frère, le jeu est trop dur. Hein? Mais je jure c'était vraiment ça. Oh. Ah et du coup c'est en train de vider l'autre là-haut. Oh le bâtard il est là. Attends mais comment je fais là? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Il est à ma poursuite. Putain les gars, je crois que j'ai réussi par contre. Je crois qu'il y a plus d'eau là. Vite, vite, vite. Ah! Allez. Est-ce que ça va le bloquer? Je sais pas si ça va le bloquer, bref, j'ai mis un piège. Attends, parce que là, s'il monte, je suis foutu. Oh, y'a plus d'eau! Ça a marché, les gars! Oh, vous êtes des cracks. Vous êtes des génies. J'ai retrouvé ma lampe torche. Oh, et du coup, je peux ouvrir cette porte. Son vieux requin de merde, là. Oh, oh putain, enfin! Non, mais je vous jure, ça fait une heure que je galère. Ça fait une heure que je galère. Attends, déjà, on va pas oublier les clés. Récupère les clés, là. Voilà, merci. C'est pour ouvrir cette porte? Ok. Ah, mais ok, du coup, ça ouvre juste cette porte. Ok, tranquille. Les cartons. J'ai l'impression, il n'y a rien.
Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial en vrai. Il y a juste ce truc là où je peux descendre. En vrai, je peux descendre, go descendre. Hein. Ok. Eh, hey, mais on est. Je vois la pièce dans laquelle on est. On est juste à côté du grenier. Oh. Faut une clé pour ouvrir ça là, vraiment? Putain, ça fait chier. Je peux pas prendre une chaise et l'éclater? Non, je peux pas. D'accord, très bien. Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir de clé. Ici, il n'y a pas de clé. En haut, il n'y a rien non plus. Mais par contre, du coup, je vais avoir accès à un endroit où j'avais pas accès tout à l'heure. Oh, oh ouais, je suis ici. Je suis à l'étage. Oh, en vrai, c'est incroyable. Il y a une radio. Mauvaise idée de l'ouvrir, de l'allumer. Très mauvaise idée de l'allumer. Attends, je peux monter là. Mais oh. À quel moment il y a une porte ici? Eh frère. Non, me dis pas qu'il y a encore des tuyaux là. Oh. Je crois que j'ai compris. Il faut ramener la manivelle ici pour ouvrir l'eau et que l'eau elle monte jusqu'à la porte. Je suis un génie. Je suis un putain de génie. Ok. On va faire ça tout de suite. Oh merde, je suis ici. Ok, attendez, là, je suis tombé de la maison. Je sais plus où je suis. Ok. Je suis un génie, les gars. T'es un génie, vous avez vu ou pas? C'est bon, là, j'ai compris le jeu. Fallait juste que je comprenne comment le jeu, il marche. Hop. Voilà, là, je re... Attends, mais je crois qu'il est là, pas. Oh, il m'a mis un piège. Non, il est plus là. Il a juste mis un piège. Ah. Je crois que je vais me prendre mon propre piège. Hop là. Voilà. Comme ça je me prends pas dans mon propre piège. Ok. Du coup je retourne ici. Oh non, je suis... Quoi? Je suis mort de chute. La vie de ta mère, on peut mourir de chute. On peut mourir de chute. Je suis dégoûté. Oh, je suis une merde. Oh, je suis vraiment une grosse merde. Je suis mort de chute, les gars. Je suis vraiment une merde. Vas-y, j'en ai marre. C'est trop. Ce jeu, c'est trop. Non, attends, c'est pas ici, là. Je suis en train d'aller n'importe où. Comment on descend? Ok. Voilà. Voilà, je suis pas mort de chute. Hop, on remonte. Et du coup... Oh merde. Attends, mais je suis bloqué là. Oh, c'est bon. Est-ce que je peux nager par contre? Attends, je vais me noyer là. Comment on nage? Comment on nage? Comment on nage? Je vais me noyer là. Comment on nage? Oh, il y a une clé. Ah, mais c'est la clé que j'ai jetée. Mais merde. Attends, mais je peux pas me noyer. Je vais me noyer là, poteau. Putain, je suis un génie. Non! Putain, mais je vois rien en plus là. Elle est où la lampe torche? Les gars, j'ai une lampe torche dans l'eau, tout va bien. Ok. Mais en fait, c'est pas possible. Mais en fait, c'est pas possible d'aller à la porte. Tu dois geler l'eau. Comment ça, je dois geler l'eau? Comment je fais? Glace l'eau. Comment je fais pour geler l'eau? Oh merde. Je sais pas, il est où? C'est quoi ça? Oh, il est dans les coups, il est dans moi. J'ai gelé l'eau ou pas?
Attendez. J'ai activé un truc, je sais pas. Non, ça a rien fait. Après, je l'ai activé deux fois comme un con. Oh. Attends, il y a une clé. Attends. Oh, je suis à l'entrée, là. Ok. Et là, c'est quoi? C'est la chambre. Putain, ok, je suis à côté de chez lui, en fait. Putain, bon, je vois plus rien, là. Allume l'électricité pour la machine. J'ai coupé le courant tout à l'heure. Merde. Fais chier. Bah attendez, en vrai. Les gars, je porte mes couilles. Non, pas par la chambre. Par là. Donc c'est bon là? Ou faut que je réactive? Non, ça va pas geler l'eau. Oh, il m'a fait trop peur le con. Oh, il m'a fait trop peur. Mais en fait, je l'avais oublié avec le temps. Oh, le chien. Oh non, il va commencer à venir à l'étage. Oh là, ça va être la merde. Oh merde, il est là. Oh, s'il commence à venir à l'étage, ça va rendre fou, frère. Oh, fais chier. J'ai eu trop peur. Oh, le bâtard. Putain, mais il a piégé toute la maison. Ok, celui-là, c'est bon. Les gars, je repasse par en haut, c'est mort. Je reprends pas le risque. Putain. Je vous jure, j'ai tout fait. Je vous jure, j'ai essayé de m'accrocher à l'échelle. Je vous jure, j'ai essayé de m'accrocher à l'échelle. Il voulait pas. Putain, il y a 36 000 personnes qui disent quoi faire et ils n'y arrivent quand même pas. Mais non, mais les gars, c'est vraiment très dur, hein. En vrai, j'avoue, je suis un peu nul. Mais quand je découvre le jeu, les gars, j'ai une heure de jeu dans les pattes. Hop. Là, normalement, c'est bon, non? Non. Faut que je réactive le truc? Non, mais ça, c'est pas pour geler l'eau, en fait. C'est pas pour geler l'eau, les gars. Oui, la pelle, prends la pelle. Allez où, la pelle? Carton pour flotter. Comment ça, carton pour flotter? Mais n'importe quoi, les cartons, ça flotte pas. Vous voyez... Oh, c'est quoi ça? J'ai une guitare. Oh, c'est peut-être pour l'attirer à des endroits. Et ça, je suis allé ou pas? Je peux pas ouvrir ici. Botte pour flotter. Saute dans l'eau. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les trucs blancs dans l'eau, c'est des chauffages. Éteins le chauffage et l'eau va geler. Comment on éteint le chauffage? Bah, c'est ça, non? Attends. C'est le fil, faut suivre le fil. Oh merde. Faut suivre le fil, les gars. Ah, je crois qu'il s'est niqué dans son propre piège, ce con. Aïe. Ok, là, il y a un fil. Faut suivre le fil, les gars. Ah, mais il va là. Mais le fil, il va à un endroit où je peux pas aller. Oh, merde. Les gars, le fil, il va à un endroit où je peux pas aller. Ouvre le trampoline.
Comment j'ouvre ça? J'ai vraiment essayé la clé en mode ça va marcher. Mais comment j'ouvre ça? Parce que ça, c'est relié du coup au chauffage. Le chauffage, il est relié à ce truc de merde là. Putain, mais je peux pas le couper. Dans le tiroir là où il y a une petite maison. La clé à molette. Non, la clé à molette, ça marchera pas. Oh merde, je suis bloqué. Bah, il est où? Je sais pas où il est en fait. Putain, il est là. La pelle. Mais les gars, la pelle, je veux bien, mais vous l'avez vu où la pelle? Moi, j'ai pas vu de pelle, hein. Putain. Je crois qu'ils montent jamais ici. Quoique. Là, y'a pas la pelle, on est. Ah, mais si, elle est là! Elle était au milieu de l'eau! Putain, je l'ai pas vue. C'est sûr, c'était ça, les gars. C'est sûr, il y avait un truc à faire avec la pelle. Attends, parce que la pelle, je sais peut-être à quoi elle sert. J'ai vu un truc dehors. Regardez, dehors, il y a de l'herbe partout. Sauf... ici. Attends, il est où, là? Il m'a vu? Non, c'est un bug. Oh! Oh! J'ai creusé un trou! Oh non, j'ai peur d'ouvrir. Oh, c'est une clé! C'est une clé! Oh merde! Vite! Ah! Il m'a mis dans le cercueil! Il m'a mis dans le cercueil! Non! Attends. Par contre... oh. Attends, mais il a vraiment enterré une clé dans un cercueil, mais frère, il fait flipper, hein. Par contre, ça, je sais, et je sais exactement à quoi sert cette clé. C'est sûr et certain. C'est la clé de la maison pour enfants. Ça se voit, c'est une clé avec un petit nœud papillon. Ça peut que être ça. Eh, les gars, je commence à être chaud en vrai. Par contre, ouais, heureusement, vous m'avez dit qu'il y avait la pelle. Sinon, j'aurais peut-être pas trouvé. Hop. Oh, je suis un monstre. Il y a un mini chauffage. What? Quoi ça sert? C'est de la merde. Ça nous dit que il y a un toilette et un chauffage. Reviens toi. Ouvre les petites portes. À quoi ça sert? Ça veut dire que le chauffage est dans le salon. Ouvre les portes de la petite... il est là, là? Ouvre les portes de la petite maison, ça ouvre les grosses portes. T'es un menteur. Ça a ouvert des portes en bas, genre? What? Oh! Attends, mais celle-là, elle était bloquée, t'as... mais c'est vraiment vrai! Mais un! Ah! Et là, faut que je mette vers le froid. Oh. Et là, ça a gelé l'eau. J'ai éteint le chauffage. Oh! Oh! Merde, merde! Je l'ai cassé, non? Non, c'est bon. Oh! Et là, ça va être le toilette? Non. Qu'est-ce que c'est de merde? J'ai fait tout ça pour ça là? C'est quoi cette merde? Me dis pas. Ah, j'avais pas vu! J'avais pas vu, il y a une clé! J'ai. Oh! C'est la clé du sous-sol! Attends, non, c'est la clé pour s'évader! Jure, c'est la putain de clé pour s'évader! En vrai, c'est pas trop tôt. En vrai, c'est pas trop tôt. Attends. Ah, je vais mourir. J'avais trouvé la clé pour m'évader et je meurs.
c'est pour sortir. On est d'accord? Mais du coup, il sert à quoi le trampo et tout? Oh! Ouais, j'ai fait bader le plan. Oh non! Il fait quoi? Il sait que j'ai percé son secret. Le trampoline est une autre manière de réussir. Il y a deux moyens pour sortir. Ah, jure! Acte 3! Non, mais là, je peux pas faire acte 3, ça fait trop peur. Attends, mais là, je suis chez moi en plus. On est je suis dans une ville. Les gars, l'acte 3, on le fera plus tard. Hein. Tu connais, hein. L'acte 3, c'est pour plus tard. Hein. On a réussi l'acte 2! Let's go! Putain. Par contre, le plan de quand je m'évade, il faisait flipper, frère. Je vous jure. Attendez, on va repasser dans une bonne ambiance parce que là. Ouh! On a gagné! On a réussi l'acte 2! Fais-le maintenant! Non, les gars. En vrai, ça fait déjà 3 heures que je suis en live. J'ai quitté le jeu. Ça fait déjà 3 heures que je suis en live. Bah putain, par contre, à la base, je voulais faire un live en mode live pépère, on discute et tout. Limite, je voulais live juste une heure et demie en mode on papote. Au final, vous m'avez conseillé ce jeu. Et ben, c'est une dinguerie. Le jeu est trop bien. Je kiffe le jeu. Non mais là faut arrêter parce qu'en plus là il est 22h30 les gars. Là je vais rentrer tout seul chez moi gros. Je vais me chier dessus. Je vais croire que mon voisin il veut me tuer. Ça fait trop peur. Je te jure ça fait trop peur. Bref. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez kiffé le live aussi ou pas? Moi j'ai trop kiffé. N'hésitez pas à vous abonner tous ceux qui sont pas encore abonnés les gars. On est à combien d'abonnés là? Mais vous savez que là les gars YouTube il va falloir, s'activer. Parce qu'il y a TikTok qui arrive. Hein. On est à 7 millions. Putain, bientôt 7 400 000. Hein. 7 386 000. En vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je vous jure que là, TikTok, on est à combien? TikTok, 7 800 000. Frère. On est à 500 000 abonnés de différence sur TikTok et sur YouTube. Gros, c'est un truc de fou. Bon bah ciao, j'ai kiffé. Merci beaucoup d'avoir suivi le live les gars. En vrai ça fait plaisir de voir que vous avez kiffé. Même moi j'ai kiffé, en vrai c'était trop bien. Je pensais pas que le jeu allait être aussi bien. À la base pour moi il est au Neighbor, tu sais, c'est un jeu que je connaissais d'il y a longtemps. Et c'est un jeu en mode, fallait juste faire des missions, c'était un peu nul tu vois. Et en fait non, parce qu'il y a une vraie pression. C'est trop bien, c'est trop cool. Et bah les gars, merci de m'avoir conseillé le jeu. J'espère que vous avez kiffé le live. Dimanche, nouvelle vidéo avec Yuki. J'espère normalement, je vais tout faire pour live samedi. Mais je suis pas certain. Je suis pas sûr de live samedi. Donc si je live pas samedi, moi je vous dis à bientôt. Parce que dans ces cas là, on se revoit dans 15 jours. Parce que moi, je vais partir pendant 15 jours avec Inox pour un gros tournage. Sinon, on se revoit samedi. Et de toute façon, après, tu connais, j'ai fait des vidéos d'avance. Donc, il y aura une vidéo ce dimanche. Il y aura une vidéo le dimanche d'après. Il y aura une vidéo dans 2 dimanches. J'ai 3 vidéos d'avance. Les gars, pour une fois, je suis trop bien. Donc, voilà. Et puis, voilà, hein, les stories Insta, tout ça, tu connais. Hein. Tu connais. Ah, c'était trop bien, j'ai kiffé le live. Bon, des gros bisous, les gars. Merci d'avoir suivi le live. Vous êtes des boss. Bisous le chat, je vous kiffe. À bientôt, j'essaye de live samedi, je vous tiens au jus sur Insta. Bisous l'équipe.